Père, nous élevons nos mains dans ta présence comme pour dire nous nous abandonnons. Father, we lift up our hands in your presence as to say we surrender. Nous nous livrons à toi. We give ourselves to you. Nous reconnaissons ta présence au milieu de nous. We acknowledge your presence in our midst. Et nous levons nos mains dans ta présence comme pour dire nous nous abandonnons à toi. And we lift up our hands in our presence as to say we surrender to you. Comme pour dire nous nous livrons. We give ourselves to you. Comme pour dire nous nous soumettons. We submit ourselves to you. Comme pour dire prends contrôle. As to say take control. Élève-toi. And lift it up. Manifeste-toi. Manifest yourself. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta présence. We are so grateful for your presence. Merci d'être là. Thank you for being here. Merci parce que tu seras toujours là. Thank you because you will always be here. Nous voulons célébrer notre Père. We want to celebrate our Father. Celui qui, par le sacrifice de son unique Fils, nous a offert une alliance glorieuse. He that through the sacrifice of his only Son gave us a glorious covenant. Une relation particulière avec lui. A special relationship with him. Au moyen du sacrifice de son Fils, il nous a invités dans sa communion avec lui. Through the sacrifice of his Son, he invited us to fellowship with him. Une communion dans laquelle il nous offre son pardon. A fellowship in which he offers to us his forgiveness. Il nous offre sa vie. He offers to us his life. Il s'unit à nous dans une relation que rien ne peut briser. He gets united to us in a relationship that nothing can break. Béni soit notre Père et notre Seigneur. Blessed be our Father and our Savior. Qui par le sang du sacrifice de son Fils nous a acquis une rédemption éternelle. Who through the blood of the sacrifice of his Son gives us an eternal redemption. Merci de nous avoir tant aimés. Thank you because you loved us so much. Merci de nous prouver ton amour par ta présence. Thank you because you prove our love through your presence. C'est en reconnaissant de ta présence glorieuse que nous sommes encore là, levant nos mains. It is thanks to your glorious presence that we are here lifting up our hands. Et proclamant ta sainteté. And proclaiming your holiness. Acclamant et célébrant. Clapping and celebrating. Et comparable à notre Père. Who is like our Father. Merci infiniment. Thank you so much. Merci à Jehovah Rapha. Thank you to Jehovah Rapha. Le Saint d'Israël. The Holy One of Israel. Il est le Tout-Puissant. He is the Almighty. Notre Sauveur. Our Savior. Merci pour le prix payé. Thank you for the price you Merci paid. Merci pour l'amour manifesté. Thank you for the love manifested. Merci pour ta présence glorieuse. Thank you for your glorious presence. Élève-toi et que tous les yeux te voient en ce jour. Arise and let all eyes see you in this Merci day. Merci infiniment. Thank you so much. Merci infiniment. Thank you so much. Merci à notre Roi. Thank you to our King. Acclame et reconnaisse sa présence. Clap and acknowledge his presence. You are Yahweh, hey, hey. You are Yahweh, acclame toujours. You are Yahweh, hey, hey. You are Yahweh, You are Yahweh, Alpha and Omega. Alléluia, acclame fort encore. Amen, amen. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tous ces témoignages. We're so grateful for all the testimonies. Le Seigneur, il a dit, je te change de cœur. God said, I am changing your heart. Et son corps a été changé de nouveau. And his heart was changed to a brand new heart. Et les résultats à l'hôpital l'ont prouvé. And the results in the hospital prove it. Les témoignages sont faits pour se multiplier. Testimonies are made to be multiplied. Donc lorsque quelqu'un rend témoignage, si tu te connectes et que tu passes par un problème similaire, tu es également touché, délivré. So when somebody is testifying, if you connect yourself and you're passing through a similar problem, you are also touched and delivered. C'est l'un des buts pour lesquels les témoignages sont faits. That's one of the purposes why we testify.
Et le sang a été changé et tout ce qu'on a dit au cours des premiers examens a été changé. And his blood was changed and everything that was said during the first test was changed. Parce que quand nous l'avons rencontré dans le bureau, il était déjà d'abord allé à l'hôpital et on disait qu'on doit l'hospitaliser à cause du taux de sucre dans le sang. When he went to the hospital, when he came to my office, he was going to the hospital, and they said that they were going to hospitalize him because of the quantity of sugar in his blood. Et le Seigneur a changé son sang, certainement. And God changed his blood instantly. Et lui avons dit, va refaire les examens, le Seigneur vient de changer ton sang. I would tell him, go and do back the test because God is just from changing your blood. Je dis à quelqu'un ici, par une alliance, ton sang avait été pollué. I want to say to somebody here that if through a covenant, your blood was polluted. Si au moyen de quelques accords sataniques, la pollution est entrée dans la lignée sanguine à laquelle tu appartiens. If through evil agreements, pollution entered the bloodline to which you belong. Jésus, par son sacrifice, offre à l'humanité une alliance avec Dieu. Jesus, through his sacrifice, offered to mankind a covenant with God. Une relation avec Dieu qui permet à l'humanité de jouir. A relationship with God which permits mankind to enjoy. De l'intervention de la main de Dieu dans ses affaires. From God's intervention in their matters. Nous parlons du Créateur. We're talking about the Maker. Il est vivant. He's alive. Et il continue à opérer aujourd'hui. And he continues working today. À quelqu'un ce matin, I want to say to somebody this morning. Ne pleure plus. Stop crying. Nous avons la solution. We have the solution. Tiens bon, ne pleure plus. Ici, cette oppression te lâche ce matin. So I'm saying to somebody this morning that oppression leaves you. Je veux que tu t'assoies, on va parler de très glorieuses choses. I want you to see that we're going to talk about glorious things. Quelqu'un entré ce matin ici avec le mal de poitrine. Ça fait 8 ans que tu es oppressé dans la poitrine. Somebody entered this morning here with painful chest because that's 8 years now that you're living that. Cette oppression quitte pour ne plus jamais revenir. That oppression leaves and shall never come back again. Amen. Nous avons passé une semaine exceptionnelle où nous avons traité d'un thème qui nous a hautement édifié. We've spent a wonderful way where we have been treating a theme that really, really defied us. Nous en avons parlé au pont après ces enseignements. Je suis parti de là comme si j'étais fou. We talked so much that after those teachings, I went from here as if I was drunk. On a dit par quel sang? They said by which blood? Ça nous a permis encore de parcourir un peu ce que Christ a accompli pour nous. It permitted us to go through what Christ did for us again. On va reparler de ce thème aujourd'hui. We're going to talk about it today again. Alléluia. Par quel sang? By which blood? Je vais dire à quelqu'un qu'il n'y a pas d'adoration sans sang. I want to say to somebody that there's no worship without blood. Le monde, il dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde visible est fait à partir du monde invisible. It is said that it is by faith that we understand that the visible world is made from the invisible world. Tout ce que vous voyez dans le visible est parti de l'invisible. Everything that you see in the visible came from the invisible. Est-ce que vous êtes là? C'est le monde invisible qui a créé le monde physique. It is an invisible world which created the visible world. Dieu est esprit. God is spirit. Il a créé le monde visible. And he created the visible world.
Et il a établi des principes. And he established principles. Des lois établies. Laws, established laws. Par lesquelles le visible entre en relation avec l'invisible. To reach the visible enters in relationship with the invisible. Et le sang va être quelque chose de très important. And the blood shall be something very important. Vous-même, vous voyez, chez les féticheurs, vous voyez la place qu'occupe le sang. In the native doctor's place, you see the place that the blood occupies. Presque tous les traitements se font sur la base du sang. Almost all the treatments are done on the base of blood. On vous y demandera un coq. They're going to ask you a cock, a hen. En fait, quelque chose qui devra mourir. Something that is supposed to die. On vous scarifiera facilement. They're going to scarify you easily. Pour sortir, pour extraire le sang de vos veines. To remove blood from your veins. Même si c'est quelques gouttes qui sont sorties de vos veines. Even if that's just little drops. Ne méprisez pas cela. Don't despise that. Pour polluer votre sang, on n'a pas besoin de sortir tout votre sang de votre corps. Quelques gouttes de saleté peuvent vous détruire. To pollute your blood, they don't need to remove all your blood from your system. Just a little bit of drops can destroy you. Alléluia. Et j'ai commencé à dire aux gens, à montrer aux gens l'importance du sang. And I started showing to people the importance of blood. Quand nous parlons du sang, à quoi pensons-nous? When we're talking about blood, what is the first thing we're thinking about? De quoi parlons-nous? What are we talking about? Alléluia. On pense à quoi quand on parle du sang? What are we thinking about when we talk about blood? Amen. Le sang symbolise votre vie. Blood symbolizes your life. Même si vous en avez offert que quelques gouttes, c'est suffisant. Even if you just offer just few drops, that's sufficient. Le sang est votre identité. Blood is your identity. On peut encore douter de vous. In doubt of you. Lorsqu'on investigue à votre sujet, vous posant des questions. When they are asking questions to you, when they are really investigating on you. Les réponses de votre tête ne vont pas forcément donner le vrai reflet de votre personne. The answers that you can get from your head cannot really give the real identity, your real identity. C'est pour ça qu'à l'hôpital, quand on vous pose des questions parce que vous êtes rendu à l'hôpital parce que vous sentez mal. That is why in the hospital, when they're asking questions to you because you went to the hospital because you don't feel fine. Peu importe ce que vous racontez, on finira par vous dire faites un examen. No matter what you do, they're going to do a test. En fait, ils diront en d'autres termes, nous doutons un peu de tes réponses. Nous, on veut la réponse du sang. In other words, I'm going to say we are doubting your answers. We want the answer of the blood. Parce que c'est dans le sang qu'il y a la vérité à ton sujet. Because it is in your blood that the truth about you is found. C'est dans ton sang que ton identité véritable va être exposée. It is in your blood that your real identity is going to be exposed. Souvent, une jeune femme veut épouser un jeune homme et lui dit tout ce que tu racontes là, c'est bien, mais allons voir ton sang. Sometimes when a young lady wants to get married to a young man, she's going to say, everything that you're saying is good, but you have to check on your blood. Allons voir ton sang. Let's check your blood. C'est dans ton sang qu'on va voir ton vrai visage. It is in your blood that we're going to see your real face. Alléluia. Et là, on va voir si on peut avancer ou bien si on s'arrête. And we're going to see whether we can go forward or we can just stop there. Imagine pendant que vous êtes dans les fiançailles et vous découvrez qu'il a une maladie mortelle dans le sang. Just imagine that while you people are still engaged, you realize that he has a deadly disease in his blood. N'est-ce pas, ça va un peu vous affecter? It's going to affect you, right? Alléluia. Donc votre sang est votre identité. So your blood is your identity. C'est la chose la plus importante que tu possèdes. It's the most important thing that you possess. Ton sang est plus important que ton argent. Your blood is more important than your money. Est-ce que quelqu'un est là? Ton sang est ta force. Your blood is your power, your force, your ta power. Vigueur. Your power, your. Si tu force. Perds ton sang, tu as perdu ta force. If you lose your blood, you lose your power. Tu deviens faible. You become weak. C'est le plus important. It's your spiritual and physical treasure. It's the most important spiritual and physical treasure that you have. Lorsque tu offres ton sang sur un autel. When you offer your blood on an altar. C'est-à-dire un endroit où on invoque un esprit. A place where they're calling on the spirit.
Tu vas amener cet esprit à se manifester plus rapidement. You're going to make that spirit be manifested more rapidly. Plus rapidement, parce que ton sang que tu lui offres est un don de très haute valeur, une offrande, un sacrifice de très haute valeur que tu accordes alors à cet esprit. Because the blood that you offer to him is a high sacrifice, sacrifice of a high value that you offer to the spirit. C'est comme pour lui dire, je t'offre ma vie. It's like to say, I'm giving you my life. Et dans les lois, les principes spirituels, and divine principles, offrir son sang à quelqu'un, offering your blood to somebody, c'est établir une relation. It's to establish a relationship. Une alliance. A covenant. Ne va pas être facile à briser. That is not going to be easy to break. C'est pour ça que le Psaume 50 verset 5 dit, où sont mes fidèles qui ont scellé alliance avec moi par le sacrifice? That is why Psalm 50 verse 5 says, where are my faithful ones who made sacrifice to with me through the blood? Est-ce que vous êtes là? Donc le sang va être indispensable pour traiter avec le surnaturel. So blood is going to be very important to deal with the supernatural. Dieu a suscité pour les hommes. God raised for men. Un homme dans ce bas monde, son nom c'est Jésus. A man in this world, his name is Jesus. Dieu s'est incarné dans un corps de chair parce que la Bible dit que Jésus est le reflet parfait du Dieu, c'est-à-dire du Dieu invisible. God became embodied in a man's body because the Bible says that God, Jesus, is the perfect reflection of the invisible God. Dans un but unique. In just for one purpose. C'est d'offrir une relation à l'homme. It's to offer a relationship. To man. Cet homme Jésus est né pour mourir. That man Jesus was born to die. Né pour offrir son sang. Born to offer his blood. Afin de restaurer une relation brisée entre l'humanité et le divin. In order to reestablish a relationship that was broken between mankind and the divine. Afin de restaurer une relation brisée entre l'homme déchu, incapable, faible. In order to make back a relationship that was broken between the weak man avec son créateur and his creator, le tout-puissant, the Almighty. Est-ce que vous êtes là? Dieu est saint. God is holy. Et il ne peut pas recevoir d'offrande de la part de n'importe qui. And he cannot receive offering from anybody, just like that. Il faut du milieu des hommes, un homme capable d'offrir à Dieu des choses que Dieu apprécie, qui réjouit son cœur. Amongst men, there need to be somebody who is able to offer to God something that's going to rejoice his heart. Depuis les temps anciens, since the old times, the ancient times, Dieu a cherché cet homme parmi les hommes. God looked for that man amongst men. Et il ne l'a pas trouvé. And he did not find him. Et il a offert aux hommes un homme. And he offered to men a man. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit, lorsqu'on présente Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. The Bible says, when they present Jesus, they say, this is the Lamb of the God who removes the sins from the world. La Bible dit que le péché ne peut pas être enlevé. The Bible says that sins cannot be removed. À moins qu'un sacrifice saignant ne soit offert à Dieu. Unless a bloody sacrifice is offered to God. Et pas n'importe quel sang. And not any kind of blood. Un sang sans péché. A blood without anything. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, lorsque Jésus va offrir sa vie. So when Jesus is going to offer his life. En sacrifice à Dieu. As a sacrifice to God. En tant qu'homme. As a man. C'est comme un le représentant de cette humanité. It is like a representative of this humanity. Jésus vient pour représenter l'humanité devant Dieu. Jesus is coming to represent mankind in front of God. Et offrir à Dieu au nom de l'humanité. And to offer to God in the name of humanity. Quelque chose que Dieu apprécie. Something that God appreciates. Jésus a été obéissant à Dieu sur toute la ligne. Jesus was obedient to God everywhere on all the line. Au nom de toute l'humanité. In the name of the whole humanity. Est-ce que vous êtes là? Jésus s'est présenté à cette humanité et Jean-Baptiste l'a présenté devant l'humanité disant, voici l'agneau de Dieu
qui fait quoi? Un agneau, c'est un animal. A lamb is an animal, right? On pourrait encore dire voici l'animal de Dieu qui enlève le péché du monde. You can also say this is the animal of God who takes away the sins from the world. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voyez qu'on utilise, vous voyez pas qu'on utilise beaucoup les animaux chez les féticheurs pour entrer en contact avec les esprits? I don't see that they're using mostly animals when you go to the seductive place to get into contact with spirits. En fait, Dieu est en train de dire, voici l'homme que je vous donne. God is saying, this is the man I'm giving to you. Celui-là qui s'offrira à moi comme votre représentant. He is going to offer himself to me as your representative. Exactement comme on faisait avec les animaux dans l'Ancien Testament. Exactly as we were doing the animals in the Old Testament. Dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, lorsqu'un homme était coupable de péché, when a man was guilty of sin, l'instruction était celle-ci. This was the instruction. Dieu suscitait du milieu du peuple un prêtre. God was raising among the people un grand priest, prêtre. A great priest. Un prêtre. A priest. Un sacrificateur. A priest. Et celui qui se reconnaît coupable de péché, and he that is guilty of sins, venait avec un animal devant le prêtre, was coming with an animal in front of the priest, afin que ses péchés lui soient pardonnés. In order for his sins to be forgiven. Et le prêtre examinait l'animal. And the priest was going to examine the animal. Il n'examine pas le pécheur, il examine l'animal. He's not going to examine the sinner, but examine the animal. Est-ce que vous êtes là? L'animal doit être sans tache, sans défaut. The animal must be without blemish. Il ne doit pas avoir de maladie dans son corps. He should not have any disease in his body. Il doit être parfait, acceptable par le prêtre. He must be perfect and acceptable by the priest. Le prêtre est le représentant de Dieu. The priest is the representative of God. Alors cet homme, ce pécheur, posait ses mains sur l'animal. So that man, that sinner, is going to, selon la direction du prêtre, place his hand on the animal according to the direction of the priest. Et confessait tous ses péchés. And he was going to confess all his sins. Est-ce que vous êtes là? Quand il a confessé toutes ses fautes, when he has confessed all his sins, parce que le salaire du péché c'est la mort, because the reward of sin is death, la récompense qui t'attend à cause du péché c'est que tu dois mourir, the reward that is waiting for you when you have sin is that you have to die. L'animal avait alors pris les péchés de l'homme. The animal took the sins of man. Quand le prêtre tuait cet animal, so when the priest was killing that animal, les péchés de cet homme avaient été tués. The sins of that man was killed. Enseveli. Was buried. Et le prêtre regardait à cet homme et disait, and the priest was looking at that man and was saying, l'Éternel est désormais en paix avec toi. God is now in peace with you. Tes péchés te sont pardonnés. Your sins are forgiven. Comme à cause de tes péchés, il y avait déjà une séparation entre Dieu et toi. As because of your sins, there were already separation between God and you. Maintenant que tes péchés sont pardonnés, now that your sins are forgiven, grâce à cet animal qui te représentait devant Dieu, thanks to this animal that was representing you in front of God, à partir de cet instant, tes péchés sont couverts. Dieu n'a plus rien contre toi. As from that moment, your sins are covered. God doesn't have anything against you anymore. Et la relation était restaurée entre cet homme et Dieu. And the relationship was restored between that man and God. Est-ce que vous êtes là? Donc aussi longtemps que cet homme peut avoir un animal. So as long as that man is going to have an animal, chaque fois qu'il se sera rendu coupable de quoi que ce soit, il pourra régler le problème de ses fautes. Anytime that he's guilty of anything, he can solve the problems of his sins. Est-ce que vous êtes là? Donc il n'y a que les pauvres qui pouvaient être pécheurs. So only the poor could be sinners. Vous êtes là? Donc si vous n'avez pas un animal pour obtenir le pardon de Dieu, so if you do not have any animals to obtain God's forgiveness, c'est parce que vous êtes pauvre. It's because you are poor. Vous êtes là. Est-ce qu'il y a les pauvres pécheurs ici? Donc aussi longtemps qu'il pouvait avoir un animal, il pouvait verser du sang à l'autel, ses péchés étaient constamment effacés devant Dieu. So as long as he could have an animal and pour the blood in front of the Arthur, his sins were forgiven in front si of God. L'alliance, si la relation entre lui et Dieu était brisée, brouillée, and if the relationship between him and God was broken, grâce au sang de l'animal, thanks to the blood of the animal, la relation était restaurée.
The relationship was restored. Donc aussi longtemps qu'il peut apporter du sang à l'autel, so as long as he can bring blood on the altar, sa relation avec Dieu sera continuellement en bon terme. Il sera continuellement en bon terme avec Dieu. His relationship with God is going to be good. Mais tous ces animaux n'étaient que des représentations de ce que Jésus viendrait accomplir. Est-ce que vous êtes là? Donc lorsque nous parlons du sang au cours de cette saison, so when we're talking about blood during this season, nous voulons parler de ce que Christ a accompli pour notre délivrance aussi. We want to talk about what Christ did for our own deliverance too. Est-ce que vous êtes ici? Elle dit, Jésus, l'homme, a regardé les problèmes de cette humanité. The man Jesus looked at the problem of this humanity. Et vous voyez, réalisant, et puis voyant que les hommes ne peuvent pas se tirer de leurs problèmes par leur intelligence, par leur performance. Seeing that man cannot solve, get out of their problems through their own intelligence and their own performance. Exactement comme on fait lorsqu'on le féticheur. Exactly as we do when you're going to see a native avec un animal, with an animal, afin d'implorer un esprit que l'esprit intervienne dans nos affaires. In order to call for spirit to intervene in our matters. Jésus s'est retrouvé devant le trône de Dieu. Jesus found himself in front of the throne of God. Pas avec le sang de quelqu'un d'autre. Not with somebody's earth blood. Pas avec un animal. Not with an animal. À offrir. To offer. Il devait s'offrir lui-même. He had to offer himself. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi faut-il que Jésus s'offre lui-même? Why is it that Jesus has to offer himself? Pourquoi doit-il offrir, mourir au lieu d'offrir quelques, de se faire scarifier et d'offrir quelques gouttes de sang? Why is it that he has to die instead of being scarified and just remove just few drops of blood? Jésus doit mourir parce qu'il représente l'humanité. Jesus had to die because he represents mankind. Il représente chacun de nous. He represents each of us. Et nos dettes devant Dieu. And our transgressions in front of God. La Bible dit à ton sujet. The Bible says about you. Que le salaire. That the reward. La récompense que tu mérites à cause de ta vie de péché. That the reward that you deserve because of your life. C'est la mort. Is death. Cette mort est la séparation d'avec Dieu. That death is a separation from God, with God. Et à cause de cette séparation, and because of that separation, le diable prend autorité sur toi. The devil takes authority on you. À cause de cette séparation, because of that separation, même lorsque tu meurs dans le monde, si tu dois aller en enfer, even when you die in this world, you have to go to hell. Et Jésus devait purger la totalité de la peine de l'homme devant le trône de Dieu. And Jesus had to purge the entire reward of sin of man in front of God. Parce que le salaire du péché de l'homme c'est la mort. Because the reward of sin of man is death. Jésus se présente devant Dieu au nom de l'homme. Jesus is represented in front of God in the name of man. Et va mourir de la mort de tout homme. And he's going to die of the death of all man. Donc quand tu vas chez le féticheur. So when you go to the native doctor, l'animal que tu amènes et qu'on va tuer, the animal that you're bringing and are going to slaughter. Je vous ai toujours dit que les esprits s'en fichent des animaux. I've always told you that those spirits don't care about the animals. Tout animal qu'on touche un féticheur représente quelque chose de précieux que vous avez dans votre vie. Every animal that you kill when you go to see a native doctor represents something precious that you have in your life. L'animal n'est qu'un substitut. The animal is just a substitute. Il représente juste une personne. He's just representing the person. Il représente juste quelque chose de précieux. He's just representing something precious. Est-ce que vous êtes là? Amen. Donc quand l'animal meurt, when the animal is going to die, à l'hôtel chez le féticheur, on the earth in the native doctor's place, quelque chose de très précieux est mort dans votre vie. Something precious died in your life. Ce n'est pas là que ça s'arrête. Une alliance vient d'être scellée. There's no way it's going to stop, and a covenant was just made. Le sang signifie quoi? What is the meaning of blood? Quand tu amènes cet animal, when you bring that animal, tu le portes, you carry it, et tu le remets au féticheur, and you give it to the native ensuite, doctor. L'animal va être tué. Then the animal is going to be killed. Le fait que tu touches l'animal et lui aussi touche l'animal. The fact that you touch the animal, he touches the animal too. C'est une sorte d'identification. It's a way of identifying. Comme pour dire, cet animal est devenu moi-même. As to say, this animal has become myself. Il me représente. He represents me. Et le touche et aussi. Même chose qui
C'est-à-dire c'est le même langage qui se déclare. And when the native doctor touches the animal, that's the same language that is declared. Il me représente. He represents me. Quand l'animal est tué, when the animal is killed, c'est comme pour dire si je trahis mes engagements. It's as to say if I deny my engagement. Avec l'esprit de cet autel. With the spirit of this altar. Comme cet animal est mort, que je meurs aussi. As this animal died, let me die too. Si je me montre infidèle. If I show that I'm unfaithful. À l'esprit qui parle devant, à dire sur cet autel qui reçoit ce sang. To the spirit which is talking on this altar which receives this blood. Que je subisse la mort comme cet animal est mort. Let me die as this animal died. Cette alliance scellée n'est pas destinée à se faire briser. This sealed covenant is not made to be broken. Depuis ce moment, since that moment, l'esprit que vous êtes allé consulter, the spirit that you consulted, à cause de cette alliance, because of this covenant, peut amener toute sa pollution dans votre vie, can bring all of his pollution in his life, toute sa soi-disante puissance dans votre vie, all his so-called power in your life, pour soit dire, ils disent que c'est par cette puissance que cet esprit se propose de vous sortir de votre situation. Because he's going to say this, because of this power that the spirit is saying that he's going to bring you out of this situation. Est-ce que vous êtes ici? Donc quand cet animal est tué, so when that animal is killed, il a une symbolique. He symbolizes il something. Représente quelque chose de très précieux dans votre vie. He represents something really precious in your life. Soit vous êtes un sorcier conscient et vous savez que l'animal que vous avez amené là, c'est peut-être votre deuxième fils junior. Either you are conscious which doctor, which person, and you know that that animal that you're bringing is your second son, junior. Peut-être vous êtes en train d'offrir le premier fils de chacun de vos petits-enfants. Or you're offering the first child of each of your grandchildren. Vous le savez. You know that. Mais dans le cas contraire, quand vous ne savez pas ce que vous êtes allé offrir, but when you don't know what you're offering, ça réjouit beaucoup le cœur du féticheur. The native doctor is really rejoicing. Parce qu'il se dit, voici un naïf. Because he's going to say, this is somebody et who doesn't know anything. Puisqu'il ne sait pas ce qu'il fait. And because of that, since he doesn't know what he's doing. Il fait l'alliance avec moi. He is making a covenant with me. Ça veut dire qu'il me donne le droit de prendre tout ce que je veux dans sa maison. It means that he gives me the right to take everything I want in his house. Et tu quittes là avec un grand sourire. And you leave that place with a big smile. Le pacte de sang veut dire tout ce qui t'appartient m'appartient désormais. The blood covenant means that everything that belongs to you belongs to me right now. Tout ce qui est à moi, tu peux l'avoir si tu le désires. Everything that belongs to me, you can have it if you want it. Est-ce que vous êtes là? Donc, lorsque Jésus va à la croix, so when Jesus goes to go to the cross, et on l'appelle l'agneau de Dieu. He's going to call, qui enlève le péché du monde. The Lamb of God who removes their sins from the world. Ça veut dire le problème qui est dans le cœur de Jésus, c'est le problème qui dérange le monde. It means that the problem that is in Jesus' heart is the problem which disturbs the world. Il amène le monde devant un grand esprit qui est le créateur du ciel et de la terre. He's going to bring the world in front of a big spirit which is the maker of heaven and earth. Est-ce que vous êtes là? Et il dit à ce grand esprit. And he's saying to that great spirit, je viens ici comme représentant de tous les hommes. I'm coming here as a representative of all men. Et comme tout homme qui n'a pas cru en toi. And as every man who did not believe in you. Ta Bible l'appelle homme animal. Your Bible is calling him an animal man. C'est pour ça que moi l'agneau de Dieu. That is why me, the Lamb of God. C'est pas pour rien qu'il dit je suis l'agneau. That's not for nothing that he's saying that I'm the Lamb donc, of God. Je m'identifie à ces hommes animaux. So I'm in that identifying myself to those animal men. Excusez-moi, c'est comme ça que 1 Corinthiens 2 appelle l'homme qui n'a pas cru en Jésus. That's how 1 Corinthians 2 calls the man who did not believe in Jesus. Jésus dit, je vais devenir un homme animal. Jesus says, I'm going to become an animal man. Avant de m'offrir à Dieu. In order to offer myself to God. En leur faveur. On their behalf. Est-ce que vous êtes là? Je vais porter leurs péchés. I'm going to carry their sins. Je vais m'identifier à ces hommes pécheurs. I'm going to identify myself to those men, to those sinners men. Voilà pourquoi en ma qualité de fils de Dieu. That is why in my quality of son of God. Je vais également être un fils d'homme. I'm also going to be a son of man. Est-ce que
elle dit, quand tu vois Jésus apparaître à certains moments, il dit le fils de l'homme. Il s'appelle le fils de l'homme. Sometimes when you see Jesus appearing at certain places, he start calling himself the son of man. Ce n'est pas un homme qui l'a appelé fils de l'homme, c'est lui-même. It's not a man that called him son of man. He called him himself like that. C'était pour s'identifier avec tout homme. It was to identify himself to all men. Et tout homme avant Jésus. And every man before Jesus. Est descendant d'Adam. Is a descendant of Adam. He's a sinner. Séparé de Dieu. Separated from God. Endetté devant Dieu. He's having a debt in front of God. À cause de ses péchés. Because of his sins. La justice de Dieu dit à son sujet. The righteousness of God is saying about him. À cause de tes péchés. Because of your sins. Séparé de Dieu. You're separated from God. À cause de tes péchés. Because of your sins. Voici ce que tu as dit, ce qui te revient. This is what you're supposed to have. Comme salaire. As reward. Comme récompense de tes rébellions. As reward for your rebellions. La mort. Death. Est-ce que vous êtes là? Donc Jésus représente l'humanité. So Jesus represents mankind. Et il scelle une relation avec le Dieu invisible. And he's going to make a relationship with the invisible God. Au nom de l'humanité. In the name of humanity. Tu pars au Tchad composé à mon nom. Quand tu passes le bac, c'est moi qui ai passé le bac. If you go to Tchad and you write an exam on my name, when you're going to pass it, I'll be the one passing. Donc quand Dieu va juger les péchés du monde sur Jésus. So when God is going to judge the sin of the world on Jesus. Il a jugé tous tes péchés. He has judged all your sins. Si vous êtes là. Ce n'est pas les péchés de l'église, c'est les péchés du monde. They're not the sins of the church, that's the sins of the world. Comme dans l'Ancien Testament, un homme transférait tous ses péchés en un animal. As in the Old Testament, a man was transferring all his sins in an animal. Quand cet animal mourait, when that animal was dying, les péchés de cet homme mouraient devant Dieu. The sins of that man was also were also dying in front of God. De la même manière, in the same way, Jésus s'est placé devant Dieu. Jesus stood in front of God. Comme le représentant du monde. As a representative of the world. Et il a laissé le monde impur. And he left le monde chargé de péché. Polluted world, the world full of sins. Le toucher. Touched him. Lui transmettre ses péchés. He left the world to transfer his sins on him. Et lui-même, il a constamment proclamé de sa bouche qu'il est le fils de l'homme. And himself he was proclaiming with his mouth that he's the son of man. Oh, tous les fils d'hommes sont des pécheurs. When all the sons of men are sinners. Ça vous êtes là. Si tu commences à proclamer tous les jours je suis fils de tel lépreux, ça veut dire que tu es héritier de cette lèpre. And when you start declaring every day that I'm the son of this man who's having leprosy, means that you want to inherit from that leprosy. Not you want to. You are the heir of that. Oh, voilà. You are the heir of that leprosy. Tu suis. Alléluia. Tu vois, il proclame tous les jours qu'il est le fils de l'homme. He's proclaiming every day that he's the son of c'est man. C'est une méthode d'identification. It's a way of identifying il himself. Il est en train de prendre vos péchés. He's taking your sins. Il est en train de s'identifier aux pécheurs. He's identifying himself to the sinners. Quand tu t'identifies à un voleur recherché. When you're identifying yourself to a thief that is wanted. Tu es là. Et puis tu pars, tu refais ton visage exactement à son image. And you're going to make your face to be just like his own. Tu sais que si on attrape ce voleur qui est ton sosie dehors, on te laisse tranquille. Do you know that if they're going to hold that thief which resembles you outside, you're going to be quand on l'attrape, on te laisse tranquille. When they're going to hold him, vous êtes d'accord? They're going to be in peace. Donc il s'est identifié à chacun de nous. So he identified himself to each of us. Et s'est livré à la justice divine. And surrendered to divide qui l'a condamné the divine exactement comme si elle te condamnait. Who condemned him exactly as quand he was condemning mort, you. When Jesus died, les péchés de l'humanité ont été également morts, ensevelis. The sins of mankind were also buried. They died too. Mais lui n'a qu'un péché. But he did not sin. C'est en raison de cette identification qu'il va mourir. It is because of that identification that he's going to die. Il va aller jusqu'en enfer. He's going to go to hell. Exactement comme un pécheur. Just like a sinner. Afin de purger la peine de tes péchés. In order to suffer this the reward il of your sins. Il a regardé à toute ta vie de péché. He looked at all your life of sin. Et il a pris ta vie de péché en lui. And he took your life of sin in him. Quand il mourait.
When he was dying, tous les péchés du monde mouraient devant Dieu. All the sins of the world was dying in front of God. Est-ce que tu sais comment Dieu regarde le monde aujourd'hui? Do you know how God is looking at this world today? Il le voit sans péché. He's seeing it without any sin. Où sont les péchés de ce monde? Where are the sins of this world? L'agneau de Dieu les a pris sur lui. The Lamb of God took it on him. Est-ce que vous êtes là? Dans l'Ancien Testament, in the Old Testament, le prêtre déclarait à cet homme, tes fautes sont pardonnées. The priest was declaring to that man that your sins are forgiven. Dès lors que l'animal est mort. Just when the animal died. Est-ce que vous êtes là? De la même manière, quand Jésus est mort, in the same way, when Jesus died, il a déclaré, c'est accompli. He declared that it is done. On a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés de qui? De l'église ou bien du monde? They said, this is the Lamb of God which takes away the sins of the world. Est-ce qu'il est venu dans ce monde? Did he come to the in Est-ce qu'il a enlevé les péchés du monde? Has he removed the sins of the world? Est-ce que vous êtes là? Parce que quand Dieu pardonne, ce n'est pas une histoire où tu as beaucoup bavardé, tu as beaucoup pleuré devant moi, je te pardonne, ça va, c'est pas comme ça. Because il faut que quelque chose meure. God forgive is not that you're talking a lot, that you've cried too much and he's going to forgive you. Something has to die. Parce que ce que je vais vous dire, c'est que aucun système judiciaire ne pardonne. No judiciary system. Ça ne fonctionne pas en justice. That does not work when it concerns ton voisin, justice. Le pardon ne fonctionne pas en justice. Since you never that forgiveness does not work la in justice. La loi doit s'appliquer. The law has to be applied. Et la loi de la justice de Dieu dit. And the law of God's righteousness says. Le salaire du péché c'est la mort. The reward of sin is death. C'est le jugement. Is judgment. C'est la condamnation. It's condemnation. Tu dois payer pour tes péchés. You have to pay for your sins. Si tu as péché, si tu as volé chez le voisin, par exemple. If you have stolen something from the neighbor's house, for instance. Hors de question que si on t'attrape, tu arrives au tribunal et tu pleures beaucoup et tu dis je demande pardon. There is the if you're not going, they're not going to hold you, and you're going to go to the court and pray a lot and say, I'm asking for forgiveness. Même si tu es sincère et tu pleures, tu crois que la justice va te laisser? Even if you're sincere and you're crying, do you think that the justice is going to leave you? Tu es là. On va te lire la Constitution à cause de ce que tu as fait. Tu as fait. Donne-nous 7 ans de ta vie. They're going to read the Constitution. They're going to say, because of what you did this and you did that, you're going to give to us 7 years of your life. Si tu as 7 ans, tu leur donnes. If you have 7 years, you give au it to them. Ans, te libère, non? After 7 years, they're going to release tu as payé you. Alors le prix pour tes péchés. You pay the price for your sins. Tu as payé le prix pour la bouteille de gaz que tu as volé. You pay the price for that gas bottle that you stole. Et maintenant, si on te demande 60 ans, tu vas les prendre où? And if they're asking you 60 years, where are you going to take them? Si tu es un voleur de 62 ans, on dit 66 ans de prison. If you're a thief of 62 years and they say 66 years of imprisonment. Est-ce que tu peux donner à la justice ce qu'elle va t'exiger? Can you give to the justice what they're asking you? Jésus a donné à la justice du ciel. Jesus gave to the righteousness of heaven. Ce que cette justice t'exigeait à cause the de tes péchés. Justice of heaven, what that justice was à cause du péché. Asking for your tu sins. Tu dois vivre dans la malédiction. Because of sins, you have to live in curse. À cause du péché. Because of sins. Tu dois purger des peines rares. You have to undergo. Tu dois être séparé de Dieu. You have to be separated from God. Mais quelqu'un s'est livré à Dieu. But someone gave himself to God. Comme un sacrifice pour tes péchés. As a sacrifice for your sins. Il a pris sur lui tes péchés. He took on him your sins. Quand il est mort. When he died. Les péchés du monde sont morts. The sins of the world died too. Quand Jésus mourait. When Jesus was dying. Est-ce que vous êtes là? L'humanité mourait devant Dieu. The humanity was dying in front of God. Sais-tu que quand cet animal meurt chez le féticheur. You know, when that animal is there at the native doctor's place, il représente ton deuxième fils junior. If it represents your second son junior, la mort de cet animal, the death of that animal, c'est la mort de junior, is the death of junior. Même s'il monte et descend, if he's walking up and down, sa vie est déjà sacrée. His life is already sacrificed. Est-ce que vous êtes là? Donc l'animal n'était qu'une représentation. So that animal was just a representation. Quand Jésus mourait, il était la représentation de chacun de vous. When Jesus was dying, he was a representation of each of you. Est-ce que vous êtes là? Il est mort avec toutes tes fautes. He died with all your sins. Pour que tu sois pardonné. For you to be forgiven.
quand il a pris sur lui toutes tes fautes. When he took on him all your sins. La justice de Dieu dit également, à cause de ses fautes, il doit être maudit. The righteousness of God says also that because of his sins, he must be cursed. Tu peux pas prendre ses fautes sans prendre ses malédictions. You cannot take his sins without taking his curses. Donc quand tu meurs là, tu meurs avec ses fautes et ses malédictions. So when you die, you die with his sins and his curses. Et quand ta mort est constatée, je déclare à son sujet, tu n'es plus maudit. Tu es pardonné de toutes tes fautes. And when his death is going to be noticed, I'm going to say that you are no longer cursed. You're forgiven from all your sins. Est-ce que quelqu'un croit en Jésus ici? Amen. Dieu te regarde et dit, tu n'es plus fautif devant moi. Cesse de te comporter comme un chien qu'on veut tabasser. God is looking at you and saying that you're not having anything in front of me that is wrong. Stop looking at me as if I was going to beat you up. Est-ce que vous êtes là? Toutes les communautés humaines croient tellement au sang et à la puissance du sang. Ils font tout sur la base. Are the human community, they believe so much in the blood and the power of the blood. They do everything relying on blood. Ce qui se passe au village là, lorsqu'on a déjà sacrifié sa chose là, tu as foi juste lorsque tu rentres en ville que tes affaires vont marcher. What happened in the village when you already sacrificed something, you have the faith that when you're going to go back là, to town, your business is going to work. When you go to the native doctor, on a tué un coq. They kill a cock. Tu es maintenant sûr que tu vas, le mari de tout lui va laisser sa femme et venir vers toi. Then you're sure that somebody's husband is going to leave his wife and come to you. Ta foi n'est pas sur ta beauté, sur ton visage, même s'il est brun. Your faith is not on your face or on your skin color, toute even if you're fair. Ta confiance est dans ce que le féticheur a fait. Et dans ce que tu lui as donné. All your heart is just what the native doctor did and what you gave to him. Accompli par le coq sur le féticheur. The finished work of the hand in the native doctor's place. Et la base de ta vantardise. Is the base of your boasting. Parce que tu sais que sur le féticheur là, quand on a déjà donné le coq et ce qui est exigé là. Because you know when you're going to the native doctor, when you've always given the hand and what they're asking, it is done. Tu regardes seulement la femme qui est à la maison, tu dis ah celle-là, c'est pour quelques jours seulement. You're looking at that lady who is at the house, you're seeing that that's just a few days. Quelque chose a été fait. Something was done. Et elle a ne fait que lui donner les bonnes petites nourritures. Elle croit que la nourriture seule suffit. Quelqu'un a allé au-delà de la nourriture. And she's just there giving him food. Why? And she thinks that it's going to be sufficient when somebody has already gone beyond quand that and he paid the price for that. Petit, le mariage, la when that hen was dying in the doctor's place, that marriage was also dying. Quand le corps la mort, le féticheur lui-même lui dit, viens toi-même proclamer que le mariage est mort. When that hen is dying, the native doctor is going to come and say, come and proclaim le that. Le féticheur proclame, c'est les malédictions. The native doctor is going to proclaim, and you are going to proclaim, that's a curses. Donc par cette alliance-là, avec ce féticheur et son esprit, vous avez attaqué maintenant un mariage. Vous avez sacrifié un mariage. So because of your covenant with that native doctor and that spirit show, you people have sacrificed a marriage. À cause de ce que tu as offert, tel. Because of what you offered at the altar. Ce corps que tu as offert, peut-être c'est tes entrailles. That kind that you offered, maybe that's your womb. Pour qu'un mariage soit cassé, tu as offert quelque chose de très précieux. For a marriage to be broken, you offered something that's very precious. Quelque chose qui excite un esprit. Something that's going to excite the spirit. Et c'est cet esprit qui va casser ce mariage-là. And that spirit is going to break that marriage. Tu es là. Elle a payé le prix. She paid the price. Quand le coq, quand Jésus mourait, ta vie de péché est morte. When Jesus was dying, your life of sin was also dying because he was representing you. Quand Jésus mourait, toutes tes fautes étaient ensevelies. When Jesus was dying, all your sins were buried. Quand Jésus mourait, tout jugement de la justice de Dieu qui était suspendu sur toi est enlevé. When Jesus was dying, any judgment of God's righteousness that was suspended on you is removed. Donc le sang de Jésus est la proclamation d'un fait dans nos vies. So the blood of Jesus is a proclamation of something that happened in our life. Quelqu'un a été jugé à ma place. Something was judged on my place. À cause de mes fautes. Because of my sins. Pour que je ne sois plus jugé. For me not to be judged anymore. Le Dieu juge ne me jugera plus à cause de mes fautes parce que Jésus a été jugé à ma place. The God which is the judge shall no longer judge me because of my sins because Jesus was judged in my place. Mais les malédictions de ma vie vont être brisées parce que Jésus a pris ma place. But the curses of my life are going to be broken because Jesus took my place. Tout ce que Dieu va me demander là, c'est d'avoir foi en ce qui s'est passé à la croix. Everything that God is going to ask me is just to have faith in what happened at the cross. C'est la foi là qui m'a exigé.
That's the thing that he asked me to do. Crois que l'homme qui mourait là, c'est de ta mort qu'il est mort. Believe that that man that was dying, he died of your death. Crois que cet homme qui allait en enfer là, c'est de ton enfer. Il a été condamné, jugé. Believe that that man who went to hell is because of your hell that was condemned and judged. Est-ce que vous êtes là? Donc Jésus a pris sur lui ton jugement. So Jesus took on him your judgment. Donc lorsqu'on parle du sang. So when we're talking about blood. On parle du sang. We're talking about blood. Nous sommes en train de dire tes péchés ont été jugés. That's saying that your sins were judged. Et le destructeur n'a plus le droit de s'arrêter chez toi. And the destruction, the devil has parce no right to stop exposé, your house again. Because somebody was exposed. À la puissance du destructeur et a été détruit à ma place. Because somebody was exposed, delivered himself to the power of the destruction of the destructor, voilà and he was destroying my place. Plus le droit de me déranger. That is why that destruction does have the right to disturb me anymore. Est-ce que vous êtes là? Et il est ressuscité. And he was resurrected. Il est mort comme un pécheur. He died as a sinner. Il est allé en enfer. He went to hell. Est-ce que vous êtes là? La mort de Jésus ou encore le sang de Jésus, the la death of proclamation Jesus. D'un fait, c'est que tes péchés ont été jugés. Or the proclamation of one thing is that your sins were judged. Parce que même les malédictions qui frappent, c'est un jugement à cause des péchés. Because even the curses that are striking, that are coming on you, it is a judgment because of sin. Parce que quelqu'un a pris tes péchés et les jugements liés à ces péchés-là. Because somebody took your sins and the judgment that are linked cette to those malédiction sins. Générationnelle doit être brisée. That generational curse must be broken. Elle est brisée. It is broken. Elle est brisée. It is broken. Elle quitte ton sang ce matin. It leaves your blood this morning. Dans le nom précieux de Jésus. In Jesus' name. Elle est brisée. It is broken. Est-ce que tu es là? Donc offrir ton sang. So offering your blood. C'est quelque chose de très important. Something very important. C'est un acte d'amour très fort. It is an act of love, a powerful c'est act of love. C'est prendre le jugement qui était réservé à quelqu'un. It is to take someone's judgment. Est-ce que vous êtes là? Et à cause de ce que tu fais, and because of what you do, le jugement sur la personne va être annulé. The judgment on that person is going to be canceled. Quand tu fais par exemple une transfusion sanguine à une personne qui est sur le point de mourir. When you are doing and when you are transferring your blood to somebody who is about to die. Tu es en train d'annuler la sentence de mort sur la personne. You are nullifying the blood, the death sentence on that person. La personne va maintenant vivre de ta vie. That person is going to live your life. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jésus est mort de ma mort, a été maudit de mes malédictions. Pour que je sois vivant de sa vie. Jesus died my death, was cursed for my curses, for me to live his life and to be free from every curse. Est-ce que quelqu'un est là? Donc quand je parle du sang ici, je parle de quelque chose de très précieux que tu as. So when I'm talking about blood here, I'm talking about something that is very precious and that you have. Et que tu décides d'offrir à Dieu. And that you want to, you decided that you have to offer to God. À cause de ton amour pour lui. Because of your love for him. À cause du respect que tu as pour lui. Because of the respect that you have for him. Est-ce que vous êtes là? Ton sang peut être ton fils. Your blood can be your son. Dans le livre de 1 Samuel, Anne a dit à Zacharie à l'Éternel au temple, à Élie, pardon. When in the book of Genesis, Anna said to Elisha at the temple, donne-moi un bébé. Give me a baby. Fais-moi accoucher et je te consacrerai cet enfant. Let me give birth and I'm going to dedicate the child to you. Est-ce que vous êtes là? En fait, Anne est allée au temple, elle a fait des remarques. Anne went to the temple. Hannah went to the temple. Depuis and des she années, elle venait au temple et sa prière n'était pas celle-là. Realized something that since for many years now she was going to the temple but her prayer was not still answered. Le vieux Élie. The old Elijah. Le prêtre qui était au temple. The priest that was in the temple, qui était déjà très vieux, that was already very old. Il n'avait pas un fils qui pouvait, c'est-à-dire prendre la succession au temple. He did not have any son that could take start ruling the temple as the priest. Tous étaient des voyous, des soulards. All of them were just drunkards. Et maintenant, Élie était en train de mourir. And Elijah was dying. Et Anne a remarqué qu'il manquera certainement de prêtres au temple.
And Hannah saw that priest in the temple were against lack. Seigneur, ouvre mes entrailles afin que je t'offre mon premier fils et qu'il devienne prêtre au temple. Lord, open my womb for me to give you my first child and let him become the priest at the temple. Anne était en train d'offrir son sang à l'autel. Hannah was already giving her blood through that prayer. Et ça a mené une réaction très puissante de la divinité. And that brought a powerful reaction from the divinity. Chaque fois qu'on offre du sang à un esprit, ça va l'amener à se manifester. Anytime that you offer a blood to a spirit, it's going to make him to, it's going to make it to be manifested. C'est pour ça dans le livre d'Exode, il dit, je verrai le sang et je vous couvrirez. That is why in the book of Exodus it is saying that I shall see the blood and I shall cover you. Donc lorsque tu offres le sang sur un autel, so when you are putting your blood on an altar, ce sang parle à l'autel plus que toutes tes prières rassemblées. That blood is talking at the altar more than all your gathered prayers. Est-ce que vous êtes ici? Le sang que tu offres à l'autel va créer une alliance avec Dieu. The blood that you offer at the altar is going to create a covenant with God. Le sang que tu offres à l'autel, the blood that you offer at the altar, va créer une mémoire très forte dans le cœur de Dieu. It's going to create a strong memory in God's heart. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham. That is why God said to Abraham. Un de ces jours dans Genèse 22. One of these days in Genesis 22. Offre-moi ton fils unique. Offer to me your only son. Le seul que tu aimes. The only one that you love. Amen. Mais quand tu regardes bien, Abraham n'a pas qu'un seul fils. And when you're really looking, Abraham is not only having one son. Il a un fils hors mariage également. He's having another son after the marriage. Mais Dieu a vu le cœur d'Abraham. But God saw Abraham's heart. Il sait que toute son attention n'est focalisée que sur Isaac. He knows that all his attention is just focused on Isaac. Si lui dit, offre-moi Ismaël rapidement, sans trop de peine dans son cœur, Abraham va lui offrir Ismaël rapidement. He knows that if he says, offer to me Ismaël, Abraham is going to offer Ismaël to him without so much pain in his heart. Mais si il lui dit, apporte-moi Isaac, ça va être un test très fort. But if he tells him, bring me your Isaac, it's going to be a strong test for him. Et Abraham a passé le test. And Abraham passed the test. En offrant Isaac à l'autel. By offering Isaac at the altar. Il offrait sa vie à l'autel. He was offering his life at the altar. Le sang de l'autel a un langage. The blood of the altar has a language. Il proclame à l'esprit que tu invoques en fait. He proclaims to the spirit that you're calling. Il dit, je suis prête à te donner, c'est-à-dire les choses les plus précieuses dans ma vie. That I'm ready to give to you the most precious things of my life. Rien ne prendra jamais ta place dans ma vie. Nothing shall ever take your place in my life. Le sang de l'autel est une déclaration d'amour très forte que vous formulez en l'intention de l'esprit que vous invoquez. The blood of the altar is a love intention very strong that you proclaim to the spirit that you're calling. Est-ce que vous êtes ici? Et c'est ça qui provoque la manifestation puissante de l'esprit. Oh, that's what de cet autel. The strong manifestation of the spirit of that altar. Offrir son sang, c'est offrir sa force. Offering his blood, offering your blood is offering your power. C'est offrir sa vigueur. It's offering your vigor. C'est offrir sa subsistance. It's offer your life. C'est offrir une chose, c'est-à-dire offrir à Dieu quelque chose sur laquelle ta vie dépend. It's to offer something to God on which your life depends. Ma vie dépend de mon sang. My life depends on my blood. Je te l'offre. I give it to you. Je vous l'ai dit l'autre jour que lorsque la veuve de Sarepta a dit, Élie lui rend visite. When Elijah paid visit to the widow of Sarepta. Et elle dit, Élie, il ne me reste que mon dernier repas, le peu de farine que j'ai. And she's saying to Elijah that I just have the last food, the last meal that I have. The little flour that I have. Et puis Élie lui dit, fais-moi à manger, laisse tout ce que tu racontes. And Elijah said, give me food and leave what you're talking about. Cette femme était en train d'offrir son sang au that, Dieu d'Élie. That lady was offering her blood to the God of Elijah. Et ça a provoqué la manifestation de la puissance du Dieu qu'Élie portait. And that provoked cette femme. The manifestation of the power of the God that Elijah was carrying in the life of that lady. Dans votre marche avec Dieu, il y a des choses que Dieu vous demandera.
As you're working with God, there are things that God is going to ask to you. On ne marche pas avec un esprit sans qu'il ne vous demande votre sang. You're not acting with this, you're not working with the spirit without him asking you your blood. Êtes-vous prêt à donner votre sang à Jésus? Are you ready to give your blood to Jesus? Êtes-vous prêt à mélanger votre sang avec son sang? Are you ready to mix your blood with his blood? Est-ce que vous êtes là? Il y a des choses qui pourront vous être demandées. Est-ce que vous continuerez encore à suivre ce Dieu? There are things that are going to be asked to you, but are you still going to continue to follow that God? Offrir son sang à un esprit, c'est déclarer son amour très fort à cet esprit. Offering your blood to his spirit is declaring your strong love for that spirit. C'est lui offrir ta vie. It's offering your life to him. On dit que là où il y a le cœur d'un homme, c'est là aussi se trouve son trésor. It is said where the heart of a man is found, that's where his treasure is. Il y a des ancêtres qui ont offert des choses terribles à des démons pour que ces démons entrent dans les familles. There are ancestors which offer terrible things for demons to enter in families. Est-ce que vous êtes là? Ouais, ça va pas être facile que vous combattez ces choses simplement comme ça. It's not going to be easy for you to fight against those things just easily like that. Vous aurez besoin d'une bonne compréhension de ce que Christ a accompli pour vous. You shall need a good understanding of what Christ did for you. Vous aurez besoin d'engager votre sang pour voir la puissance de Dieu telle que vous ne l'avez jamais vue. You're going dans to engage affaires. Your blood to see God's power in intervening in matters that's never before. Amen. Donc, offrir ton sang, c'est lui déclarer un amour terrible. So, offering your blood is declaring a terrible love. Dans le livre de Genèse au chapitre 22. In the book of Genesis chapter 22. Lorsque Isaac offre, Abraham offre Isaac. When Abraham is offering Isaac. Il est sur le point de tuer l'enfant. He is about to kill the child. Le Dieu du ciel dit, j'ai vu vraiment que tu m'aimes. The God of heaven said, I really saw that you love me. Je t'ai testé et puis tu as passé le test. I tested you and you passed puisque the test. Puisque tu as fait cela. Because you did that. Je te jure, Abraham. I swear to you, Abraham. Vous amènerez l'esprit de l'autel à jurer sur vous des bénédictions rares lorsque il recevra votre sang. You are going to make the spirit of the earth to swear scarce blessings on you when you offer your blood. Il y a des gens qui ont offert du sang de la famille sur des autels pour un serpent à jurer qu'il ne t'abandonnera jamais. Il n'abandonnera jamais la famille. There are people who offer the blood of the family on an altar to the excellent snake swear that they shall never forsake you, never abandon you. Donc voilà pourquoi il était important que Jésus souffre pour toi et pour moi. That is why it was important for Jesus to suffer for you and I. Parce que pour chasser ces alliances-là, pour faire taire les alliances qui ont introduit ces pouvoirs-là, il vous faut être sous une alliance supérieure. Because to cast out those covenants or to silence those covenants who made you to be there, you have to who made you to suffer have to call a superior spirit. Chaque alliance établit un système judiciaire. Every covenant is established by a judiciary system. Chaque accord, every agreement, s'accompagne de malédictions et de bénédictions. Is followed by curses or blessings. Le seul accord, le seul alliance. The only covenant. Le seul accord, pardon. The only agreement. Qui n'intègre aucune malédiction, c'est l'alliance scellée par le sang de Jésus. Which does have any curses, the covenant made by the blood of Jesus. Avant le sacrifice de Jésus, before Jesus sacrificed, toute autre alliance amenait les condamnations dans les vies des hommes. Any other covenant was bringing condemnation in the life of man. L'Ancien Testament se stipulait de telle sorte que Dieu disait, si vous obéissez à ceci, je vous donne ceci. The Old Testament was just that, if you obey to this, I'm going to give you this. Si vous faites ceci, je fais ceci. Je fais ceci. If you do this, is what I'm going to do. Si vous violez l'alliance, vous plongez sous la malédiction. If you violate the covenant, you come under curses. Voilà pourquoi on a appelé cette alliance-là l'alliance de la condamnation. That is why they will call it the covenant of condemnation. Parce que là où il y a des lois, le diable fera tout pour vous amener à pécher contre ces lois-là. Because where the laws are found, the devil is going to do everything for you to sin against. Afin que la condamnation vienne sur vous. Those laws, so that condemnation should come on you. Donc, Dieu initie une alliance nouvelle et éternelle avec le sang de, par le sang de Jésus. So God is going to establish a new covenant with the blood of Jesus. Dans le but de te délivrer des influences de toutes les alliances qui ont été scellées avec tout autre sang qui n'est pas le sang de Jésus. In order to deliver you from the influence of any other covenant that is made which is not the blood of Jesus. Il vous
offre une alliance supérieure. He offers to you a superior covenant. Qui vous connecte à un Dieu supérieur. Which connects you to a superior God. Est-ce que vous êtes là? Une alliance supérieure dans laquelle les malédictions sont brisées. A superior covenant in which curses are broken. Non à cause de ce que vous allez faire. Not because of what you're going to do. Mais par votre foi en ce que Jésus a fait. But by your faith in what Jesus did. Est-ce que vous êtes là? Donc c'est de célébrer tes désobéissances en te disant je sais que je suis rebelle envers Dieu. Je ne sais pas si on prie si ça peut donner. So stop celebrating your disobedience by saying that I know I'm a rebel to God and I don't know whether if I pray is going to work. Une femme souffrait d'hémorroïdes depuis plus de 12 ans. A woman was suffering from hémorroïdes for more than 12 years. Elle saignait en continu. And she was bleeding continuously. C'était une malédiction ou bien une bénédiction? Was it a curse or a blessing? Est-ce que vous êtes là? Savez-vous que la loi de Moïse dit quiconque saigne ne doit pas sortir en public? Do you know that the law of Moses says that everybody who is bleeding should not come out publicly? Elle ne doit même pas saluer les gens. She should not even greet anybody. Donc quand elle est sortie pour aller à la rencontre de Jésus, so when she went out to meet Jesus, elle était dans la rébellion. She was in rebellion. Elle avait péché contre la loi de Dieu. She had sinned against the law of God. Mais Jésus ne l'a pas délivrée. But Jesus did not deliver sur la base de ses performances. On the base of her performances. La Bible dit Jésus voyant sa foi. The Bible says that Jesus seeing his faith. Lui a donné la délivrance. Gave him deliverance. Voyant sa foi. Seeing his faith. Si tu peux avoir foi en son amour pour toi. If you can have faith in his love for foi you. En ce qu'il a accompli pour toi. Faith in everything that he has il accomplished for you. Il a allé juste offrir son sang en sacrifice. He went to the extent that he offered his blood as a sacrifice. Afin que le seul Dieu qui brise les malédictions revienne dans ta. In order that the only God who breaks curses should come back in your il life. Il a payé le prix. He paid the price. Pour que le Dieu créa. For the God maker, renoue sa relation avec toi. To build back his relationship with you. Je vous dis, celui qui vous offre son sang vous fait une déclaration d'amour rare. He that offers his blood to you is making a scarce declaration of love to you. Il a dit à Abraham. He said to Abraham. Qu'est-ce que tu as fait cela? See, because you did this. Je te jure que je te donnerai ceci, ceci, ceci et cela. I swear that I'm going to give you this, this and that. Il a dit à Jésus lui-même, puisque tu m'as été obéissant sur la ligne, sur toute la ligne. He even said to Jesus that because you're obedient on all the lines. Et en plus tu as accepté mourir. And you accepted to die. Pour me ramener l'humanité devant moi. Bring back mankind in front of me. Toutes ces âmes que tu ramènes devant moi. All the souls that you bring back in front of me. Toutes ces personnes que j'aime tant et que tu as ramené à moi au travers de ton sang que tu as offert. All those people that I love so much and that you bring back to me, brought back to me through your blood. Au travers de ta vie que tu as offert. Through your life that you offered. Tu m'as honoré au plus haut niveau. You honored me to the et voilà to the pourquoi most highest je te jure à toi-même. That is why I'm sorry même to yourself. Si tu meurs, even if you die, au troisième jour, at the third day, je te ressuscite. I'm going to resurrect you. Est-ce que vous êtes là? Mais donc même le sang de Jésus a été important pour sa résurrection. So even the blood of Jesus was important for her resurrection. Le Dieu du ciel a juré à Jésus, même si tu vas en enfer, je t'arracherai de là. The God of heaven said to Jesus, even if you go to hell, I'm going to remove you out of there. Hell is a symbol of the curses. Et même si tu te retrouves dans n'importe quelle malédiction. Hell is a symbol of the most parce que tu as été obéissant sur toute la ligne. And it says, if you find yourself in any case, because you are obedient to me on all the line, I deliver you. Est-ce que tu crois en Jésus ici? Do you believe in Jesus here? Les fruits de son obéissance sont tes fruits. The fruits of his obedience are your fruits. Il a été ton représentant. He was your representative. Quand il a marché en ton nom. When he was walking comme in your ton name, représentant. As your representative. Dans l'intégrité devant Dieu. He was righteous in front dans of God. Dans l'obéissance. In obedience. C'est exactement comme si c'était toi qui marchais devant Dieu. It was exactly as if you were the one walking in front of God in obedience. Parce que tu crois en lui. Because you believe in him. Et quand il est mort. And when he died. C'est exactement comme si c'est toi qui étais mort. It is exactly as if you were the one dying. Quand il est allé en enfer. When he went to hell, c'est exactement comme si c'était toi qui étais déjà en enfer à cause de tes fautes. It was exactly as if you were the one going to hell because of your sins. Et quand au troisième jour, and on the third day, il a été détaché des chaînes. He was untied from his chains. Libéré de la malédiction. He was free from the curse. Ressuscité. When he resurrected, c'est exactement ce qu'il t'a donné.
That's exactly what he gave to you. Te délivrer de tes chaînes. To deliver you from your chains. De tes malédictions. To deliver you from your curses. Te délivrer de toute condamnation. To deliver you from every condemnation. Et parce que cela a déjà eu lieu. And because it has already taken place. Et parce que cela est ton héritage. And because that is your inheritance. Chaque fois qu'un sacrifice est offert à l'autel. Every time that a sacrifice is made at the altar. La puissance de cet autel là rentre pour résoudre les problèmes de celui dans la vie de celui qui a offert ce sacrifice là. The power of that altar enters to solve the problem in the life of the person who offered the sacrifice. Et Jésus a été reçu à la croix. And Jesus was received at the cross. Comme un sacrifice. As a sacrifice. Lorsque la puissance de Dieu qui l'a ressuscité est venue sur lui. When the power of God that he that resurrected him dans nos vies. Came on him. That same power was entering our lives. Était disponible pour quiconque croirait en lui. That same power was available for whosoever believed in him. Dans le jour que tu as cru en Jésus. So the day that you believed in Jesus. Crois en ce qu'il a fait pour toi. Believed in what he did for you. Crois en son sacrifice pour toi. Believed in his sacrifice for you. La puissance qui est descendu sur lui pour répondre à son sacrifice. The power that came on him to answer to his sacrifice. Et qui le ressuscitait au troisième jour. And that was raising, him on the third day. Puisqu'il était ton représentant. Because he was your representative. Cette puissance est venue sur toi. That power came on you. Quand tu as un représentant chez un féticheur. When you have a representative for the fetishist. La puissance de destruction qui descend sur lui. The power of destruction that comes on him. La même qui va te poursuivre pour détruire tes affaires. Is the same that is going to follow you to destroy your business. La mort qui descend sur ce coq. The death that comes on that head. Cet esprit de mort commence à te poursuivre. The spirit of death starts following you. La vie qui descend sur Jésus ressuscité. The life that comes on the resurrected Celui Jesus. Celui qui s'est sacrifié pour toi. The one who was sacrificed for you. C'est la même vie qui te poursuit pour détacher tes chaînes. It's the same life which follows you to untie your chains. Je ne sais pas par quelle chaîne tu étais enchaîné. I don't know with what chain they chained you. Il nous a ressuscité avec lui. But he resurrected us with him. Il y a une puissance qui se dégage de la croix en ta faveur. There is a power that comes up out of the cross for you and your house. Il y a une intercession qui se lève de la croix en ta faveur. And there is an intercession that comes from the cross on your behalf. Et qui dit à ton sujet. And which says about you. Tout est accompli. It is finished. C'est accompli ce qui concerne ta délivrance. If you concept a deliverance. Ta délivrance est un travail accompli. Your deliverance is a finished work. C'est fait. It is done. C'est fait. It is done. C'est fait. It is done. Dis avec moi, je suis libre. Say with me, I'm free. C'est fait. Libéré du péché. I'm free from sin. C'est fait. It is done. Libéré de toute malédiction. Free from every curse. C'est accompli. It is finished. Je suis libéré. I am free. De tout accord satanique. From any evil C'est argument. Accompli. It is finished. Je suis libéré. I am de free tout péché. From every curse. Et des conséquences de tout péché. And the consequences of every dans curse. Dans le nom précieux de Jésus. In Jesus' name. Je suis libre. I am free. Dans le nom précieux de Jésus. In Jesus' name. Tout joug de ténèbres. Every yoke of darkness. Héritage d'un sang quelconque. Inheritance of any blood. Héritage d'une alliance quelconque. Inheritance of any covenant. D'un sang quelconque. Of any blood. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. J'en suis libéré. I am free from it. 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 Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Donc par quel sens cet oppresseur se permet de continuer à t'oppresser? So by which blood is he permitting himself to continue putting you? C'est par quel sang? By blood. Par quelle alliance? By which covenant? Par quel décret? By which decree? Par quel tribunal spirituel? By which spiritual court? Tu continues à subir la condamnation bien qu'ayant dit oui à Jésus. That you continue living condemnation even if you said yes to Jesus. Nous nous tenons devant la haute cour de justice céleste ce matin. We stand in front of the Supreme Court of heaven this morning. Où Jésus est toujours présenté. Why the blood of Jesus is always presented. En ta faveur. On your behalf. Où le sang de Jésus crie en ta faveur. Where the blood of Jesus is crying for you. Et proclame. And proclaim que tu as été jugé. That you are judged. Celui-ci a été jugé. That he was Quand judged. Christ a été jugé. When Christ was judged. Tes péchés ont été jugés. Your sins were judged. Quand Christ a été jugé. When Christ judged. Dieu a été jugé des conséquences de tes péchés. God, Jesus was
judge from the consequences of your sin. Tout ce que tu pourrais subir aujourd'hui comme souffrance, comme oppression, à cause de soi-disant les péchés de ta vie. So everything that you could live today as the consequences of the sins si of your life. Si tu crois en ce que Christ a fait pour toi. If you can just believe in what Christ did for you. Reçois la délivrance maintenant. Receive deliverance right now. Reçois la délivrance maintenant. Receive deliverance right now. Reçois-la dans tes os. Receive it in your bones. Reçois-la dans tes os. Receive it in your bones. Reçois-la dans tes organes. Receive it in your organs. Reçois-la dans ton sang. Receive it in your blood. Dans le nom précieux de Jésus. In Jesus' name. Amen. Assois-toi. Sit down, please. Donc c'est la base que nous utilisons pour parler avec autorité. So that's the base that we use to talk with authority. Je suis un désormais avec Dieu. I'm one. Right now I'm one with God. Par la grâce du sang de Jésus. By the grace of the blood of Jesus. Est-ce que quelqu'un me suit? Toute malédiction est un jugement lié à tes péchés ou au péché que tu as hérité de tes ancêtres. Any curse is a judgment that is bound to your sins or to the sins that you inherited from your ancestors. Peut-être c'est les conséquences des alliances, des accords de tes ancêtres ou bien de toi-même dans les temps d'ignorance. Maybe it's the consequences of the agreements of your ancestors or even yourself when you were still ignorant. Offrir son sang, c'est offrir à l'autre ce sur quoi ta vie dépend. Offering your blood is to offer to somebody else on what your life relies on. Quelqu'un est libre. Si par un sacrifice. If by sacrifice. Par une alliance quelconque. By any covenant. Les malédictions sont entrées dans ta famille. Curses entered in your family. On dit que le sang d'Abel parlait et criait vengeance contre Caïn. It was said that the blood of Abel was talking and shouting vengeance against Cain. Il y a des sangs qui crient dans les familles, écrit par exemple stérilité, que vos entrailles nous ont été données, vos premiers fils nous ont été donnés, vos finances, vos mariages nous ont été donnés. There are blood which is crying and saying that your marriage was given to us, your womb was given to us. Donc toute alliance va établir un tribunal où il y aura des condamnations et des bénédictions. So every covenant is going to make a code where there are going to be condemnations and blessings. Les alliances disent généralement, si tu pèches contre ce qui a été décidé, voilà, tu devras subir ceci, ta famille devra subir cela. Usually covenants be like, if you sin against what was decided, your family is going to be like this or be like that. Il y a des gens qui ont juré sur la base d'un sang, d'un sacrifice, en disant par exemple un serpent, si on te trahit, qu'on meurt de cancer de gorge. There are people who made a covenant with a snake and they said, if ever we betray you, let us die from a throat cancer. Et les autres ont répondu, amen. And the others answered, amen. Est-ce que vous êtes là? Avez un décret pèse, un décret suspendu. So a decree is suspended. Peu importe ce qui peut se décider dans une cour inférieure. No matter what can be decided in an inferior court. Tant qu'il subsiste une cour supérieure à laquelle tu peux avoir accès. As long as there's a supreme court that you can have access to. Le problème n'est pas clos. The problem is not over. Jésus est mort. Jesus died. Pour instituer en ta faveur un système judiciaire supérieur. To give for you a superior judiciary system. Donc ce matin, je me tiens là comme le représentant du juge et je fais appel. So this morning I'm standing as a representative of the judge and I'm calling. Tout ce qui a été décrété au sujet de ta famille et qui constitue une action. Everything that was declared about your family and that is a curse. Tout ce qui était suspendu dans ta vie et qui constitue une limitation quelconque. Everything that was suspended in your life and that constitutes any limitation. J'ai dit tout accord satanique qui continue à fonctionner dans ta famille, condamnant les destinées. Any evil argument that continues to work in your family, condemning destiny. Je fais appel ce jour. I'm calling today. La Bible parle de lui dans Deutéronome 23, verset 5, comme le Dieu qui convertit les malédictions en bénédictions. The Bible is talking about him as the God which converts curses to blessings. Je révoque cette malédiction. I rebuke those curses. Je révoque ces malédictions. I rebuke those curses. Je révoque ces malédictions. I rebuke those curses. Dans le précieux nom de Jésus. In the precious name of Jesus. Je révoque ces malédictions. I rebuke those curses. Tout système établi qui te maudissait en continu, qui a établi une malédiction dans ta famille. Any evil system that was cursing you continually and that established a curse in your family. Je brise cette malédiction. I break that curse. Je brise cette malédiction.
break that curse. Je brise cette malédiction. I 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 break that curse. Parce que le prix est payé. Because the price is paid. Je brise cette malédiction. I break that curse. Je la brise. I break it. Dans le nom de Jésus. Tiens ton sang dans les mains. Tiens ton offrande. Hold your offering. Hold your blood in your hands. On honore le sang par le sang. We honor blood by blood. Le sacrifice n'est pas quelque chose qu'on donne aisément. Sacrifice is not something that we give easily. Il fait souffrir lorsqu'on l'enlève pour donner à quelqu'un. It makes you to suffer when you remove it to give it to somebody. Une simple offrande, on l'enlève facilement et on donne. A simple offering, you can just remove it easily and you give it. Dans 2 Rois chapitre 3. In 2 Kings chapter 3. Trois royaumes sont venus rencontrer Élisée. Three kingdoms came and met Elisha. Le royaume d'Israël, le royaume de Juda et un autre royaume. The kingdom of Israel, the kingdom of Judea and another kingdom. Et dit, voici, nous sommes en train d'aller en guerre contre Moab. And they said, we are going to fight Moab. Que dit l'Éternel Élisée? What is the Lord saying, Elisha? C'est en route, pendant qu'ils ont été informés que Élisée le prophète était dans le coin, qu'ils se sont débrouillés à trouver quelque chose à offrir au Dieu qu'Élisée invoquait. It's on the way when they heard that the prophet Elisha was just around, that they sucked, that they struggled to find something they can offer to the God of Elisha. Alléluia. Et Élisée leur a dit, quand vous partez, vous allez remporter. Le Dieu du ciel va vous donner la victoire. And you should say, when you go, you're going to win the battle. The God of heaven is going to grant you the victory. Et quand ils se sont lancés pour aller en bataille, and when they went to fight, ils ont fait face à une forte sécheresse. Il n'y avait pas l'eau pour leurs bêtes. There was a lot of drought. There was no water for their animals. Quand ils ont invoqué le Dieu d'Élisée, Élisée a sorti la parole. When they called for the God of Elijah, Elisha came up with the word. Et Dieu leur disait de creuser des fosses dans le désert et qui seront remplies d'eau. And God was asking them to dig a pit in the desert, which is going to be full of water. Et ils ont creusé les fosses et extraordinairement, les fosses ont été remplies d'eau dans le désert. And et les bêtes ont bu et sont allées en bataille. And they dig the pits and extraordinarily, the pits were full of water. Their bêtes could drink and they could go to fight. Lorsque ils ont commencé la bataille contre le royaume de Moab, when they started fighting the kingdom of Moab, le roi de Moab voyant qu'il était en train de perdre la bataille, the king of Moab, seeing that he was always losing the battle, a essayé de fuir. Tried to flee, to run away. Avec quelques 700 soldats d'élite de son armée. With few 1700 soldiers. Mais ils ont été bloqués. But they were blocked. Par leurs adversaires. By their enemies. Alors le roi, voyant cette situation, so the king, when he saw that situation, il a ordonné qu'on attrape son fils, l'aîné qui devait succéder à son trône. Ordained that they should take his firstborn, the child that was supposed to be head, the heir of the throne. C'était en pleine bataille et il a sacrifié sous le regard de tout Israël. It was during a battle and he sacrificed him under the sight of the whole Israel. L'enfant est mort, égorgé au sud de tout le monde. The child died and everybody could see him. Quand ce roi païen a sacrifié son fils, when that pagan king sacrificed his son, la présence de Dieu qui accompagnait Israël s'est retirée. The presence of God which was with Israel was removed, ran away. Et Israël et Juda et l'autre, ils ne pouvaient plus combattre sans la présence de l'Éternel. And Judea and the others, and Israel and the others could no longer fight without God's presence. Dieu s'est retiré. God went away from them. Ils ont perdu la bataille. And they lost the battle. On aurait alors pu se demander si la prophétie d'Élisée était vraie. You could ask yourself if the prophecy of Elisha was not true. Parfois, vous traitez l'Éternel comme moins que rien là où les païens traitent de leur divinité, c'est-à-dire avec des honneurs rares. Sometimes you treat the
you treat God in a certain way that is not good, where the pagans are treating their own God with much honor. L'Éternel se tue. God remains silent. Honorer cet homme. And honor that man. Qui pour sauver son royaume a sacrifié son fils. Who to save his kingdom sacrificed his son. L'Éternel se tue. God remains silent. Pour honorer cet homme. To honor that man. Qui avait posé un acte que lui seul. Lui, qui ressemblait quelque part à ce que lui seul avait décidé dans sa préscience d'accomplir en faveur de l'humanité. Who was just from doing an act that him alone wanted to do for mankind. Cet homme a rappelé à l'Éternel le sacrifice de son fils à la croix. That God reminded to the Lord, to God, the sacrifice of his son at the cross. Et il a élevé. And he lifted him up. Est-ce que vous êtes là? Chaque fois que vous posez un genre d'acte qui lui rappelle son fils. Each time that you're doing certain action which recalls to him his son. Vous amènerez un déploiement de sa puissance surnaturelle dans vos affaires. You're going to bring a release of his supernatural power in your business, in your matters. Le sang créera toujours un mémorial en votre faveur. Blood is always going to create a memorial in your life. Il y a des choses que telles que lorsque vous les offrez en Dieu, vous les offrez à Dieu. There are things that when you offer them to God, il vous donne une place dans son livre dans l'éternité. He gives you a place in his book for forever. Est-ce que vous êtes là? Une veuve n'avait que deux pièces pour sa survie. Lorsqu'elle les a données, Jésus, observant ça, a marqué le témoignage de cette femme dans la Bible jusqu'à aujourd'hui, on se souvient d'elle. Every day just had two coins on her to save her life, but she gave everything and still today she's marking the story. She's really marking something strong. Et elle dit ce que Abraham a offert à Dieu fait que même si les fils d'Abraham ne prient même pas, une voix parlait à l'autel en leur faveur, la voix du sang d'Isaac. And what did Abraham did to God, even if the sons of Abraham are not praying, well, because of the sacrifice of Abraham, a voice is talking, the voice of Isaac. Est-ce que vous êtes là? The voice of the blood. Et il y a des choses que vous offrez à Dieu qui vous introduisent dans le règne des bénédictions jurées de Dieu. There are things that you do to God and which introduce you in the sworn blessings of God. Quand vous lui offrez votre sang, vous êtes en train de lui déclarer votre amour. When you're offering to God your blood, you're declaring your love to him. Tiens ton offrande. Hold your offering. Parfois vous dites, non, nous sommes sous la grâce et puis Jésus a tout accompli. Sometimes you say, we are under the grace and Jesus did everything. Une des façons d'honorer ce qu'il a accompli, c'est d'amener votre sang. One way of honoring what he did is by bringing your blood and his altar. Pas pour sauver quelque chose, mais pour reconnaître quelque chose. Not to save somebody or something, but to recognize somebody. Est-ce que vous êtes là? C'est comme pour dire quand il sera question de toi, il sera question de moi. It's as to say when it's going to be talking about you, they're also going to be talking about me. C'est comme pour dire tes affaires sont mes affaires. It's as to say your business are mine too. C'est comme pour dire tu peux compter sur moi. It's as to say you can rely on me. Les choses que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Things that the eye has not seen, the ear has not heard. Dieu les donne à ceux qu'il aime. God gives it to the one he loves. Quand tu aimes, tu donnes. When you love, you give. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. God so loved the world that he gave. Donc, il y a des choses que lorsque vous les faites pour la cause de Dieu, vous êtes en train de lui montrer que vous l'aimez tant. There are things that when you do it for God's sake, you're showing to him that you love him so much. Lorsque certaines batailles deviennent très intenses dans vos vies, when certain battles becomes really really strong in life. La voix de vos prières seule ne sera pas suffisante. When it becomes intensive in your life, the voice of your prayers shall not always be sufficient. La voix de votre sacrifice va être également très importante. The voice of your sacrifice shall also be very important. Le sacrifice vous offrira une défense pour laquelle vous n'aurez même pas travaillé. The sacrifice is going to offer to you a defense for which you would have not even worked. Je vous ai dit qu'il y en a qui ont offert des choses terribles à des démons pour que ces démons-là soient établis dans les familles.
There are people who offer terrible things to demons for them to be established in families. Lorsque tu ouvres ton sang à l'autel, tu es en train de dire, à ma qualité de représentant de ma famille, je dénonce tout ce qui a été fait. Et qui a introduit, intronisé Satan dans ma famille. When you're offering your blood on an altar, you're saying as my quality of child of the Lord, I'm denouncing everything that was done in my family. J'ai vu certaines personnes amener un genre de choses à l'autel et puis un démon s'est manifesté. I saw certain people offering certain kind of things on the altar and a demon was manifested. Il dit, je ne te permettrai pas de faire ça. And he was saying, I cannot permit you to do that. L'offrande va avoir une signification très importante dans les batailles spirituelles. The offering you're going to have is very strong and important significant in spiritual battles. Et le roi obtenait la délivrance pour son peuple au travers d'un sacrifice de sang. And the king had a deliverance of his people through a blood sacrifice. Les choses qui vous sont chères établies, c'est-à-dire ou encore activez une alliance qui est déjà en place. The things that are dear to you, activate a covenant which is already in place. Et il n'y a pas d'autel sans sang. There is no altar without blood. La principale offrande d'un autel, c'est le sang. The principal offering on an altar is the blood. Le sang attire la puissance. Blood attracts power. Apprenez de temps en temps. Learn from time to time. À offrir des choses qui vous font mal à l'autel de l'éternel. To offer things that pain that are painful to you on God's altar. Est-ce que vous êtes là? Le sacrifice ou encore le sang vous introduit dans le règne des bénédictions générationnelles. Sacrifice of blood introduces you in the reign of generational blessings. Quand Laban a décidé de détruire Jacob, son beau-fils. When Laban decided to destroy Jacob, his son-in-law, Dans Genèse 31. In Genesis 31. Cette nuit-là, alors qu'il se lance à la recherche de Jacob pour le détruire. That night when when he was looking for Jacob to destroy him. Parce que non seulement Jacob est parti de chez lui sans lui dire au revoir, mais Jacob a volé un de ses dieux. Because not only that Jacob went out of his house without telling him goodbye, but he also stole something from his house. Il accusait Jacob d'avoir volé une de ses idoles. He was accusing Jacob from stealing one of his idols. Et il était très fâché. And he was really angry. Et cette nuit-là, poursuivant Jacob. And that night when he was following Jacob. Le Dieu d'Abraham s'est dressé. The God of Abraham stood up. Et a dit à Laban, ne touche pas à cet enfant. And he said to Laban, don't touch this child. Est-ce que quelqu'un connaît qui était Abraham? Does somebody know who Abraham was? C'est lui qui a offert son fils à Dieu. He was the one who offered his son to God. Et pendant qu'il montait avec son sacrifice. And as he was climbing with his sacrifice at the mountain, Dieu descendait avec son bélier sur la même montagne. God was coming down with his bull on the same mountain. C'est à ce moment-là que Dieu a donné Jésus à la famille d'Abraham. It is at that moment that God gave Jesus to the family of Abraham. Est-ce que vous êtes là? Il devait venir naître maintenant dans la descendance d'Abraham. He had to come now. En réponse au sacrifice d'Abraham. And being born in the deliverance, in the descendants of Abraham's family. Jésus est né dans la famille de qui? In which family was Jesus born? Dans la descendance de qui? Which descendants Jesus coming D'Abraham, from? D'Abraham, n'est-ce pas? He's coming from Abraham's descendants. À cause de ce que Abraham a fait devant Dieu. Because of what Abraham did in front of God. Jusqu'aujourd'hui, le peuple d'Israël jouit d'une attention particulière de la part de Dieu. So today, the people of Israel are enjoying a particular attention from God. Est-ce que vous êtes là? Et pendant que tu élèves ton offrande. And as you're lifting up your offering. Tout ce qui était offert sur un autel. Everything that was offered on an altar. Pour appeler un pouvoir de destruction dans ta famille. To call a power of destruction in your family. Pour amener des batailles spirituelles terribles dans ta famille. To bring spiritual battle, terrible spiritual battles in your family. Avec ta main levée, je veux que tu dises avec moi, je dénonce. With your raised hand, I want you to say, tous I denounce. Sataniques. All the evil arguments. Toutes les réclamations sataniques. All the evil things. Du sang de ma famille. That have arisen from the blood of my family. Qui ont établi des malédictions dans ma famille. That established curses in my family.
tout ce qu'un homme everything that a man se tenant devant le diable standing in front of the devil a obtenu au nom de toute la famille had on the behalf of the whole family au moyen d'un sacrifice offert à Satan through a sacrifice that was offered to the devil. Je dénonce cela aujourd'hui. I denounce that today. Je révoque cela aujourd'hui. I rebuke that today. Dans ma lignée sanguine. In my bloodline. Dans ma famille. In my family. Je me tiens devant l'autel de l'Éternel. I stand in front of the altar of the Lord. Là où Jésus-Christ est invoqué. Where Jesus Christ is called up. Et je dénonce. And I denounce. Tout ce qui a été fait contre ma famille. Everything that was done against my family. Tout ce qui a amené les blocages dans ma famille. Everything that was bringing hindrances in my family. Tout ce qui a amené les limitations dans ma famille. Everything was bringing limitation in my family. Introduit la mort dans ma famille. Everything was bringing death in my family. C'est par quel sang que c'est entré? By which blood did it come? Par le sang de Jésus. By Jesus' blood. Ça ressort. It gets out. Ça sort. It gets out. De même que j'ai été délivré. As I was delivered. De la puissance des ténèbres. From the power of darkness. Par le sacrifice de Jésus. By Jesus' sacrifice. Je décrète aujourd'hui. I decree today. Ma famille est délivrée. My family is delivered. Du joug de Satan. From the yoke of devil. Au nom de Jésus. In Jesus' name. À partir d'aujourd'hui. As from today. Une faveur rare nous accompagne. A scarce favor is with me. À partir d'aujourd'hui. As from today. Les cœurs qui rejetaient Jésus commencent à accepter Jésus. Hearts that were rejecting Jesus start accepting Jesus. À partir d'aujourd'hui. As from today. À partir de maintenant. As from now. La puissance de la résurrection. The power of resurrection. Elle entre en moi. Enters in me pour me nettoyer. To clean me. Elle entre dans ma famille. It enters in my family. Pour nettoyer ma famille. To clean my family. De toute malédiction. From every curse. De toute réclamation. From every claim. De toute alliance satanique. From every evil covenant. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Merci pour ton sang versé. Thank you for your shed blood. Merci pour le grand amour que tu m'as manifesté. Thank you for the great love that you manifested to me. Lorsque pour moi tu t'es livré. When you offered yourself for me. Je suis libre. I am free. Dans mon sang. In my blood. Je suis libre. I am free. Je me connecte à partir de maintenant. I connect as from now. À la lignée sanguine et bénie de Jésus. To the blessed bloodline of Jesus. Je me déconnecte. I disconnect myself. Je déconnecte ma famille. I disconnect my family. De toute lignée sanguine de malédiction. To any cursed bloodline. Les maladies fuient. Disease is run away. Le droit légal de Satan est brisé. The legal right of the devil is broken. Seigneur, merci. Lord, thank you. Merci pour ce que tu as accompli. Thank you for what you did for me. Merci pour la nouvelle alliance qui court pour moi. Thank you for the new covenant which is running for me. Une alliance où la malédiction n'existe pas. A covenant where curse does not exist. Je ne suis pas le garant de cette alliance là. I'm not the keeper of that covenant. C'est Jésus qui la garde. It's Jesus who is keeping it. Et elle ne peut être brisée. And it cannot be broken. Je n'en suis que bénéficiaire. I am just a beneficiary. Par ma foi en ce que Christ a fait. Through my faith in Jesus, in what Merci, Jesus did. Merci Seigneur. Thank you Lord. Pour ce que tu as fait pour moi. Because of what you did je proclame for me. Aujourd'hui. I proclaim today. Je suis libre. I am free. Délivré de la puissance de Satan. Delivered from the power of the devil. Par le sang de Jésus. By the blood of Jesus. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Pose ton offrande. Is your open here? Bring them out of Egypt and give to them blood covenants. Pour te sortir de toutes sortes de puissances, il t'offrira une alliance de sang. To bring you out of any form of power, is going to bring give you a blood covenant. Tiens ta dîme pour ceux qui l'ont. Hold it tight for those who have it. Il a dit à Abraham, puisque tu as fait ça. He said to Abraham, because you did this. Abraham lui a démontré qu'il avait une place de choix dans sa vie. Abraham showed to him that he had a place of choice in his life. De la même manière, tu peux dire à Dieu, tu as une place de choix dans ma vie à cause de ce que tu as accompli pour moi. In the same way, you can say to God, you have a place of choice in my life because of what you did for me. Tu as accepté mourir pour que je sois réuni avec Dieu. You accepted to die for me to be united to God. Tu as accepté t'identifier à moi, prenant ma place. You accepted to identify yourself to me, taking my place. Dans le péché et dans la condamnation. In sin and condemnation. Afin de m'offrir le pardon de Dieu et la délivrance. In order to offer to me God's forgiveness and deliverance. Puisque tu as fait cela, Seigneur. Because you did that, Lord. Quand tu me demandes mon Isaac, je te l'apporte. When you're going to ask me my Isaac, I'm going to bring it to you. Tu n'as même pas besoin qu'il te le demande. You don't even need him to ask it from you. Tu t'engageras à le servir.
Begin to engage yourself to serve him. Et apporter des choses rares devant sa présence. And bring scarce things in front of his presence. Cesse de célébrer les péchés de tes ancêtres. Stop celebrating the sins of your ancestors. Jésus t'a déjà pardonné. Jesus has already forgiven you. Donc en fait, les gens vont en enfer pas parce que Dieu le veut, mais parce qu'ils sont ignorants de ce que Christ a fait pour eux. People are going to hell not because God wants it, but because they are ignorant of what God did for them. Quand un homme accepte Jésus, the day that a man accepts Jesus, ce que Christ a accompli pour lui commence maintenant à opérer dans sa vie. What Christ did for him start operating in his life. Le salut lui est accordé. Salvation is granted to him. Celui est donné. Is given to him. Il entre au bénéfice des bénédictions qui sont dans le testament de Jésus pour lui. He start enjoying the blessings that are in Jesus' testament for him. Tous. Il a pris les péchés de tous. He took the sins of all of them. Même ce franc-maçon que tu connais là, ses péchés sont pardonnés. Even that Freemason that you know, his sins are forgiven. Parce qu'un agneau s'est offert en sacrifice pour lui. Because a lamb was offered to him as a sacrifice. Même cette prostituée que tu connais. Even that prostitute that même you know. Même cet homosexuel que tu connais. Even that homosexual person that you know. S'il peut accepter Jésus, alors il a accepté une alliance. S'il a accepté cette alliance, alors il a accepté la délivrance. If he can accept Jesus, then he has accepted the covenant. If he can accept the covenant, then he has accepted his deliverance. La Bible dit alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. The Bible says when we are still sinners, Christ died for us. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui et n'imputant point aux hommes leurs péchés. Christ was in God, reconciling the world with him and without imputing the sin of any man. 2 Corinthians 5, verse 19. Parfois vous célébrez trop le péché. Sometimes you celebrate sin a lot. Ce que Christ a accompli est supérieur à vos péchés rassemblés. What Christ did is superior to your gathered sins. Les hommes ne vont pas au ciel parce qu'ils sont en termes de conduite, mais parce qu'ils ont accepté Jésus. Men are not going to hell because they have a good conduct, but because they have accepted Jesus. La vie éternelle est le don que Dieu offre aux pécheurs et non aux saints. Eternal life is what is the gift that God gives to the sinners and not the holy. Le salaire du péché du pécheur c'est la mort. The reward of sin for the sinner is death. Mais le don gratuit de Dieu à qui? Aux pécheurs. But the free gift of God aux to prostituées. The sinner. Aux francs-maçons. To the prostitute, the grâce à ce que Jésus a fait. A free gift was offered to them thanks to what Jesus did. Au milieu de leurs péchés, s'ils peuvent recevoir Jésus, ils reçoivent un don. In the midst of their sins, if they can receive Jesus, they receive a gift. Ce n'est pas une récompense de leurs bonnes actions. They are not a reward of their good actions. Il est un don qu'ils les trouvent du milieu de leurs erreurs, de leurs méchanceur. It is the gift that de leur méchanceté. It is a gift that they are going to find in the midst of their errors, in the midst of their wickedness. It is the gift of eternal life. C'est un don que Dieu fait aux pécheurs par amour pour les pécheurs. It is a gift that God gives to sinners. Dieu attend énormément. Il a donné son fils afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas, qu'il reçoive la vie. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour changer les gens mauvais en gens bons, mais il est venu pour donner la vie, sa vie. Jesus did not come in this world to change the bad people and make them good. He came to give his life to those people. Et quand un méchant reçoit cette vie, parce que cette vie vient avec le caractère de Dieu, elle commence à enlever sa méchanceté. Elle commence à changer sa méchanceté. Oh là là. And when a bad one, and when a wicked person receives that life, because that life comes with God's character, it starts removing his bad character, his bad side, the bad side of him. Vous comprenez le don gratuit? Gratuit veut dire quoi? What is the meaning of free? Parce que les religions vous diront dans la tête. C'est pas une récompense que quand tu es sur le point de mourir et le prêtre te met un peu d'huile et comme il est le cousin de Jésus et Jésus te dit bon mon cousin m'a parlé. Non. It's not a reward that when you're about to die, you're going to give, you're going to say because you did this good and because I'm the cousin of Jesus. Ce n'est pas un don qui t'est offert parce que ta conduite a commencé à changer. C'est ce qu'on vous enseigne dehors. C'est un don qui est accordé aux pécheurs. It's not a gift that is offered to you because your conduct has changed. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. That is offered to the sinner. Quand on te donne, tu reçois. He so loved the world that he gave. He just gave you, and when you got given to you, you receive. Stop celebrating your sins. Prostituée dans sa prostitution reçoit ce don
ton commence à agir en lui. A prostitute heart prostitution can receive that gift and that gift that working in her. C'est une alliance dangereuse. It is a dangerous covenant. Une alliance d'amour, de provision violente. Des gens qui ne méritent rien, il leur donne. A covenant of love. Les gars reçoivent le don les charge. People who don't deserve le don anything, les he give it to them, and when they receive that gift change them. That gift change them. Pierre a dit dans le livre Actes que tous les prophètes de l'Ancien Testament rendent lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon. Il reçoit le pardon. Paul said that all the prophets of the Old Testament said that whosoever believed in him received the forgiveness. Le pardon de Dieu lui est donné, un pardon pour lequel il n'a même pas prié, il n'a même pas demandé. C'est donné, donné, parce que Jésus a accompli tout ce qui pour que cela vous soit donné sans que vous n'ayez rien à payer. The forgiveness of God is given to you because God wanted you to have that forgiveness without you paying anything. Même la guérison, c'est un don gratuit. Even healing is a free gift. L'expression de son amour pour toi. The expression of his love for you. Ce n'est pas une récompense de tes bonnes actions. It's not a reward of your good actions. Nous sommes sujets à ce qui est l'alliance qu'on appelle l'alliance de la foi. We are under a covenant, which is a covenant called the covenant of faith. Ce que Jésus veut voir d'abord, c'est votre foi. What Jesus wants to see first of all is your faith in what he did. C'est pas votre obéissance qu'il veut d'abord voir, c'est. It's not first of all your obedience that he wants to see. It's first of all your faith. Est-ce que l'obéissance est une mauvaise chose? Non, quand la foi est là, vous allez marcher dans la parole de Dieu. Obedience et en marchant dans la parole de Dieu, c'est de l'obéissance. A bad thing. But when the faith is there, you're going to walk in the obedience of God. And when you walk in the obedience of God, you're walking the word of God. Chaque fois qu'il a guéri quelqu'un, il a dit voyant son obéissance. Il a toujours dit voyant sa foi. Every time that he told somebody, he's not said seeing his obedience. He was always saying seeing his faith. Peut-être tu as été très méchant depuis 2 mois. Le Seigneur veut voir ta foi aujourd'hui. Maybe you were very wicked for 2 months, but God says he wants to see your faith today. Il t'aime. He loves you. Aie foi en ce qu'il a fait pour toi, et non en ce que tu peux faire pour lui, que tu as pu faire, que tu n'as pas pu faire. Aie foi en lui. Have faith in what he did for you, and not in what you could do, and not in what you did not do. He has done so much for me. I cannot tell it all. If you came here with any oppression, elle quitte. It leaves. La Bible ne nous recommande pas de prier pour les malades. The Bible is not asking us to pray for the sick. Mais de donner la guérison. But to give healing to the sick. Si vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. It says you receive freely, give freely. Amen. Parce que c'est déjà payé. Because it has already, they've already paid for it. Christ a payé le prix. Christ paid the price. Il a offert ce qu'il fallait pour que tu guérisses, tu sois guéri de n'importe quelle oppression. He offered what was needed for you to be healed from any kind of oppression. Le Dieu qui guérit est là ce matin. The God who heals is here this morning. Je dis à quelqu'un ici, sois guéri. I say to somebody here, be healed. Si tu avais mal quelque part, it had la main somewhere. Sur cet endroit-là. Place your hand on that place. Je parle à quelqu'un qui est à l'écoute du son de ma voix maintenant. I'm talking to somebody who's listening to, to my voice this morning. J'affecte ta vie par la puissance de la résurrection. I affect your life by the power of resurrection right now. J'affecte chaque organe de ton corps. I affect each organ chaque of your body. Cellule de ton corps. Each cell of your body. Par la puissance de la résurrection. By the power of resurrection. Tout ce qui était défectueux est remplacé. Everything that was dying is replaced. Sois guéri. Be healed. Seigneur, merci pour le prix payé. Lord, thank you for the price that you paid. Que tes affaires soient guéries. Let your business be healed. Sois délivré de la puissance des ténèbres. Be delivered from the power of darkness. Merci Seigneur pour le prix payé. Thank you Lord for the price that you paid. Tu as pris sur toi nos péchés. You took on your sins. Et avec nos péchés, tu as pris sur toi notre jugement. And with our sins, you took on you your notre condamnation.
s'est abattu sur toi. Our condemnation fell on you. Afin que nous soyons libérés de toute condamnation. For us to be free from any condemnation. L'oppression te quitte. Oppression leaves you. Ce pouvoir démoniaque lâche. That evil power leaves. Les limitations sont brisées. Limitations are broken. Le pouvoir qui te poursuit comme une proie. The power following you. Qui t'oppresse depuis très longtemps, il lâche. As if prayer oppressing you for so long leaves. Il lâche prise. It leaves. Toute résistance dans les ténèbres. Any resistance in darkness. Lâche maintenant. Leaves now. Tout ce que l'ennemi a conçu, tout ce que la sorcellerie a conçu contre ta maison, contre ta famille. Anything that witchcraft has conceived against your house, against your family. Au cours de cette saison, ça avance. During this period, it abhors in Jesus' name. Ça avance. It abhors. J'affecte chaque organe de ton corps. I affect par la puissance de la résurrection. Organ of your body by the power of resurrection. Soyez vivifié. Be vivified. Soyez fortifié. Be strengthened. Je décrète la puissance de la résurrection. I declare the power of resurrection. Je décrète la restauration. I declare restoration. Je décrète la faveur de Dieu. I declare God's favor. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. The precious name of Jesus. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté, toi tu ne seras pas atteint. 1000 fall on your right and 10,000 on your left, you shall not be touched. Ce virus qui fait trembler le monde ne te fera pas trembler. That virus which makes the world to tremble shall not make you tremble. Parce qu'une alliance d'exemption accompagne ta vie. Because a covenant of exemption is following your life. Et il a juré à tous ses fidèles dans le cadre de cette alliance. And he swore to all his faithful ones in this covenant. Il a dit que la peste qui marche le jour. He said whether it is working the day. Et quoi? Et la contagion qui marche en plein midi. Il dit toutes ces choses. Il dit que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté. Toi là. 1000 on your side and 10,000 on your left. À cause de l'alliance, à cause de la relation qui t'unit à lui, tu seras épargné. You because of the relationship that unites you to him, you shall be spared. La plus belle chose qui soit arrivée à cette humanité, c'est cette relation que Jésus leur a offerte avec Dieu au moyen de son sang. The thing that could be given to mankind is this relationship that God gave to mankind through His blood. Et quand tu acceptes cette relation. And when you accept that relationship, Dieu s'unit à toi. God gets united to you. Dans une alliance united, qui ne peut être brisée. In a covenant that can't be broken. Et c'est dans cette alliance que tu es désormais. And it is in that covenant that you are now. Il a juré qu'il n'y aura point de femme stérile au milieu de vous. He toute stérilité est brisée. That there shall not be any barren woman in you amongst you and everybody is broken. Je déclare la faveur de l'emploi sur quelqu'un ici. I declare the grace of employment to somebody here. La faveur du mariage vient sur quelqu'un ici. The favor of marriage falls on somebody here. Je la décrète au nom de Jésus. I declare it in Jesus' name. La grâce d'aimer la parole de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. The grace to love the word of God, to understand the word of God. Dans le nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Annonce. Assois-toi à coup de les amis. On dit bonne fête à toutes les femmes, toutes les mamans ici. Je ne sais pas pourquoi toi tu n'es pas allé au défilé. Tu n'aimes pas le défilé. Bonne fête de la femme. Happy Women's Day to all the men. Alléluia. Nous souhaitons à tous la bienvenue à la cité du Christ ressuscité. We wish you all welcome to the city of the risen Christ. Alléluia. Souhaite bonne fête de la femme à ta voisine. Wish si happy, c'est ton happy voisin, women's day to your neighbor. Pas. If you see a, if it is a male, don't wish him happy Women's Day. Alléluia. Bonne fête à toutes les mamans, toutes nos sœurs, toutes nos happy filles dans le nom de Jésus. All our mother, our doctors and every woman in the whole. Alléluia. Voici le programme de la semaine prochaine. This is the program of the week. Nous continuons avec le programme de jeûne et de prière de 40 jours. We continue with our program of fasting and prayer of 40 days. Tu as vaincu la première semaine. You are done with the first week. Si tu n'as pas commencé, prends la course. If you are not yet start,
if you are not yet started, you can take it, take the risk. Alléluia. Le document, je crois qu'il y a encore des exemplaires de documents de prière pour les jeunes en question. There are still documents for the program. Amen. Et le thème de ce programme, c'est par quel sang? And the theme of the program is by which blood? Mercredi. Wednesday. Nous sommes en ce lieu enseignement et prière à 16h30. We'll be here teaching and prayer at 4:30 p.m. Jeudi. On Thursday. Nous sommes en ce lieu enseignement et prière 16h30. We'll be here teaching and prayer at 4:30 p.m. Vendredi. And on Friday. Nous sommes en ce lieu enseignement et prière 16h30. We'll still be here teaching and praying at 4:30 p.m. Samedi, on Saturday, nous sommes en ce lieu enseignement et prière de 7h à 10h. We'll be here on Saturday from 7 a.m. to 10 a.m. teaching and prayer. Dimanche, on Sunday, on se retrouve pour un grand culte à 9h. We'll be here for a great service at 9 a.m. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, the word of God says, vous connaîtrez la vérité. You shall know the truth. Et la vérité vous affranchira. And the truth shall set you free. Dis à ton voisin, viens aux enseignements. Say to your neighbor, come to the teaching. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Nous souhaitons déjà à tous une bonne semaine. We wish you all a happy week. S'il y a d'autres annonces, notre père dans la maison, le prophète Zouava nous transmet. The following announcement with the father in the house. That is one. Amen. Vous savez, David a préparé le matériel pour la construction de la maison du Seigneur. Nous sommes sur le point de construire une cathédrale aussi. We're about to construct a big house of the Lord, for the Lord. Amen. Dans les travaux de préparation, la maquette sont en train de se faire quelque part. Bientôt, elles vous seront présentées. So we're already preparing the shape and all the line of the house. Very soon we're going to present it to you. Donc commençons déjà à rassembler le nécessaire. Tout ce que Dieu met dans ton cœur pour la construction de sa maison, tu pourras l'apporter et vous serez et tu seras reçu pour cela. Dans le nom de Jésus. Gathering what you have, everything that you have, you can bring in what God puts in your heart for the construction of his house and shall be received for that. Dans Exode 25, il a dit à Moïse, dis à mon peuple. In Exodus 25, he said to Moses, say to my people, que chacun d'eux apporte quelque chose de précieux pour la construction de ma maison. Let all of them bring something precious for the construction of my house. Alors il a cité la liste des choses qui étaient autorisées à entrer dans les caisses de l'église. And he mentioned the list of all those things that were authorized to come in there, to enter in the account of the church. Et d'abondantes richesses étaient alors rassemblées, accumulées. And much wealth was gathered. Et lorsque Moïse a fini de construire le temple, la gloire de Dieu est descendue. And when Moses finished constructing the temple, the glory of God came. Dieu veut t'associer à ce programme. God wants to associate you to this program. Alors prépare-toi. So prepare yourself. Dans le nom de Jésus, on va se lever. In Jesus' name, we're going to stand up. Amen. Donc, commence à te préparer. So start preparing yourself. Nous aurons un temps de sacrifice pour la construction de la maison du Seigneur. We're going to have a time of sacrifice for the construction of the house of the Lord. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Let the Lord bless you. Lorsque tu repars, que la paix du Seigneur t'accompagne. As you're going back, let the peace of the Lord be with you. Trois personnes sont guéries de typhoïde dans la salle-ci. Three people are healed from typhoid in this hall. Les maux de dents guérissent dans deux cas. Two aches are healed in two cases. Et l'hypertension quitte cinq cas. And high blood pressure leaves five cases. Dans le nom précieux de Jésus. In the precious name of Jesus. Donc je dis à quelqu'un, va en paix ce matin. So I say to somebody, go in peace this morning. Je te couvre du précieux sang de Jésus. I cover you with the precious blood of Jesus. Je déclare sur toi une protection rare. I declare on you a scarce protection. Le coronavirus ne te verra pas. Coronavirus shall not see you. Que le Seigneur te bénisse. Let the Lord bless you. Fête de la femme à toutes les femmes. And happy Women's Day to all the ladies. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen.